If this is the best Vice City has to offer, this is going to be easy. Oui, bonjour, mes cheveux sont horribles. On dirait que ça fait 3 jours que je les ai pas lavés. Je sais, alors que je les ai lavés hier soir. Ta gueule, le retour! Tu vas m'énerver. En fait, je faisais une sieste. Non, excusez-moi. Ah oui, du coup, ouais, alors je faisais une sieste. Tranquille et tout. Il était 14h, j'étais dans mon lit. J'étais trop bien et tout. Et là, d'un coup, j'entends. Putain, le téléphone qui fait que vibrer, je suis putain. Je vais voir. Parce qu'au bout de, si vous voulez, au bout de 10 fois, c'est casse-couille. C'était des putains de meufs sur le groupe que j'ai créé sur Instagram qui s'engueulaient. C'est pas les meufs de la soirée. Oh là 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 là! Enfin, un mec et une meuf. Oh putain, puis une autre meuf qui s'en jette après. Je fais, mais non, s'il te plaît, pas toi. En plus, la meuf qui s'est ramée, c'est vraiment une meuf, mais qui est vraiment intelligente pour le coup. Je fais, pas toi, pas toi! Ah putain. Et du coup. Du coup, c'est quoi ce truc blanc que j'ai dans les cheveux? On dirait que j'ai de la merde d'oiseau dans les cheveux.
Du coup, ça m'a saoulé, j'aurais dit bon, écoutez, je vous adore toutes les deux, mais je dois vous enculer si vous continuez de vous engueuler. Vraiment. Ils ont commencé doucement à se calmer, et voilà. Je suis sûr qu'ils auraient adoré que je les encule. Mais ça aurait pas été dans la gaieté, donc bon, pas très marrant, quoi. Et du coup, on en est là, moi qui viens de sortir là du lit et que les cheveux, genre, parce qu'il fait chaud, donc forcément à transpirer et tout. Pour faire un live DBD, tier list. Maintenant, il y a des tier list. Et voilà les tier list. J'en fais pas assez de tier list, en même temps, quand j'en fais, j'en fais trop. En fait, quand j'ai des périodes de tier list, je fais que de ça, il y a des périodes où j'en fais pas assez. Fin... Bref, faut que je me régule. Ce serait bien une tier list par semaine, en fait. Genre, un truc comme ça. En fait, il y a des moments où je trouve pas des tier list, des moments où je trouve des idées, mais complètement cons. Moi, j'en rappelle qu'on a fait des tier list Pokémon, mais complètement cons. On a fait la tier list des professeurs dans Pokémon. Attention, ça existe. Hein. On a fait la tier list des Pokémon fossiles, mais ça avait un intérêt. On a fait la tier list des starters. Mais on a fait. En fait, on a fait deux tier list des starters parce qu'on a fait la tier list des starters. Attends, j'allais voir, c'est quoi ça, un miroir? Oh, c'est bon, je dégage. On a fait la tier list des starters full évolué et la tier list des starters genre première évolution. Et j'avais dit un jour qu'on a la tier list des starters genre deuxième évolution. Heureusement, on ne l'a pas fait. Je reviens, je vais chercher à boire. Et on va commencer ça. Bien sûr, on va aussi attendre un peu qu'il y ait de monde, peut-être. Hein. C'est peut-être Esteban de retour. Mon viewer préféré. Vous savez que c'est un jour, je suis vraiment une phase de viewer. Esteban sera quand même dans le top 10, je pense. Êtes-vous prêt pour le show? Du coup, c'est parti. Alors, je sais pas pourquoi je me casse, quoi, ça sert à rien. La tier list des survivants d'un DBD. Petite parenthèse. Alors, ça n'a rien à voir avec ce live d'aujourd'hui. Vous savez que j'ai testé les Sims 4 loup-garou. J'avais dit. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que les Sims sur ça. Les Sims 4, c'est définitivement que ça trop chiant et que. Je me suis trop fait à l'idée que les Sims 3 c'est juste ouf et du coup je préfère rester sur les Sims 3. Ou juste parce que le DLC loup-garou est vraiment juste chiant. Et ben je crois que c'est ça en fait, parce que là il y a le truc j'ai oublié le nom. Anélissé qui est sorti. Je me suis dit ça va être Turbo OZEF. C'est un sujet dont je m'en bats complètement les couilles. Genre c'est de là, c'est genre je vais vraiment m'en foutre en fait. Et en fait finalement... Là, depuis 2 jours, pour de vrai, je passe littéralement des heures sans m'en rendre compte sur ce jeu. Voilà. C'est la fois que j'ai vu ça, j'ai vu ça en jouant en Sims 4. Je veux dire que c'était Vampire, parce que Vampire, c'était quand même un cran au-dessus. Mais c'était avec la sortie de Animaux. Alors, je comprends pas Animaux pour rien, c'est parce que Animaux, quand c'est sorti, du coup, tous mes Sims que j'aimais bien, j'en donnais des chiens ou des chats. Je leur créais des chiens ou des chats en thème par rapport à ce que c'était, en fait. Et là, en fait, c'est pareil, là, depuis que j'ai ça, du coup, je me suis fait chier à vraiment créer des familles complètes Sims. Déjà, j'avais créé, déjà, quand j'avais le truc, là, éducation, qui est sorti, qui est très sympathique aussi, d'ailleurs, c'est pas du tout mon délire, et t'es sorti, bah, j'avais créé des enfants et toi, des Sims. Bah là, ça me donnait envie de recréer encore des familles encore plus, quoi. De faire des vrais trucs et tout, quoi. Même de créer, du coup, des maisons pour habiter plus de gens, et du coup, je me passe vraiment grave de temps, et ça m'éclate de ouf, hein. Ça rend le jeu réellement plus vivant. Voilà, juste petite parenthèse comme ça, les Sims 4, franchement, il y a des bons trucs. Et je me suis même fait une remarque que je me suis pas fait par contre, même avec Vampire. C'est. Putain, je regrette qu'il n'y ait pas eu un truc comme ça pour les Sims 3. Genre, pour de vrai. Moi, les Sims 3, vous voulez que ce soit le jeu parfait, mon jeu préféré de tous les temps. Vous mettez un système de. On peut rentrer dans les bâtiments, genre quand Sims travaille et tout, mais t'es pas obligé. Genre, tu peux décider de ne pas y aller. Ça, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux décider de ne pas y aller, donc de faire ta vie, quoi.
C'est un truc que moi j'avais pas aimé dans les Sims 3, je suis une parenthèse Sims, je sais pas pourquoi, mais là je vais commencer par là, donc je vais venir. Un truc que j'ai pas dans les Sims 3, c'est que dans Ambition, tu peux être chasseur de fantômes, pompier et tout. Entre autres. Le truc que j'avais pas aimé, ok les travails sont cool, ok c'est marrant de venir sur Sims au travail et tout, mais le truc que j'avais vraiment pas aimé en fait, c'était que à un moment t'étais vraiment forcé d'assister tout le temps, c'était juste chiant en fait. À un moment, tout le temps, t'en avais marre, et puis ça durait 3 plombes, c'était pas marrant, enfin. Moi, ça m'avait saoulé, en fait. T'as l'impression vraiment d'être maudit, en fait. Tu fais pas ça, bah, c'est fini, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Et j'aurais bien aimé qu'on me donne la possibilité d'envoyer mon Sims dans ce qu'on appelle un rabbit hole, un trou de lapin, un truc qui était exclusif au Sims 3, pour, en fait, bah, en fait, genre, me donner le choix entre un rabbit hole ou un genre... ou directement en voyant mission quoi. Voilà. Comme c'est le cas d'ailleurs pour le dans les Sims 4 pour la carte de détective et de scientifique. Un truc que j'aime beaucoup aussi. Hein. Parce que t'as vraiment l'impression pour le coup de. En fait, je trouve ça. En fait je pense que les Sims 4. Ouais, pourquoi ça me plaît pas, ça a pris une mauvaise direction. Je trouve que les Sims 4 trouvent sa grandeur dans le réalisme. Dans la simulation de vie littéralement. Alors que Sims 3, je trouve que sa grandeur est plus dans le côté, alors, j'allais dire déviance, mais c'est un peu ça en fait. C'est quand ça s'écarte de la simulation de vie. Moi, les Sims 3 surnaturels, par contre, j'adore. C'est un jeu des créatures surnaturelles, de la magie et tout, je kiffe trop. Midnight Hollow, c'est ça? Oui, est-ce que je confonds toujours avec Forgotten Hollow. Midnight Hollow, c'est incroyable parce que c'est un décor, un thème qui est vraiment hors du commun, hors norme. C'est vraiment genre juste fantastique quoi. Île de rêve, j'adore parce que ça sort aussi du commun, c'est un truc qui tourne dans le quotidien de certaines personnes. Mais le fait d'être vraiment dans une archipel et tout, tropical et tout, enfin, c'est vraiment ouf quoi. Alors, ça, c'est un truc qui réussit pas au Sims 4. Sims 4, je trouve ça quand c'est des trucs plutôt banals en fait, au contraire. Voilà, petite parenthèse finie. Bon, ils auraient dû s'orienter là-dedans, mais à fond en fait. La tier list des survivants. Eh oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai que des trucs Ukraine partout, j'en sais absolument pas. Hein. Je fais pas de recherche sur le sujet. Hein. Alors, tier list des survivants, et si on a le temps, si je trouve que c'est surtout que je fais trop vite, on part faire. On part faire la tier list des perks survivants. Parce que c'est W, j'ai vu W Resident Evil, je me dis ah c'était cool, c'est Wesker quoi. Non, même pas, en fait y'a pas Wesker. Ah mais du coup, alors moi il me faut, alors... Autant y'a des survivants qui vont se retrouver dans Ozef, autant y'en a ils vont pas se retrouver dans Ozef, j'ai beaucoup de trucs à dire, et le problème c'est que là ils sont pas dedans. J'ai tapé quoi? J'ai juste tapé Dead by Daylight? Putain j'ai envie de chier. Alors j'explique quasiment chaque fois quand j'en sais, j'ai envie de chier. L'élégance. 24? Ah, 24 c'est cool. Elle aussi il est tueur d'ailleurs. Ah, ça c'est bien! Ça c'est trop bien! Je sais que j'en parle pas assez, mais en vrai... j'aurais infinité d'argent, mais je me prendrais tellement tous les skins légendaires des personnages de Resident Evil. Ok, je reviens jouer au shot. Je reviens tout de suite. Pouf!
Oui, donc creux! Je lisais les messages. Alors. Ce groupe de merde. Faut pas les tuer, juste les survivants. Par contre, ah ouais, vite fait. Alors, vite fait les règles, je les explique en faisant mon truc. On met pas de S+, je crois que je vais arrêter de mettre des S+, hein. En fait, alors déjà le truc c'est que, je le dis au cas où, hein, mais on juge les survivants, mais par vraiment les survivants eux-mêmes en fait, sur par exemple, mon ressenti que j'ai sur eux, c'est-à-dire qu'on ne parlera pas des percs par exemple. On va pas faire un truc de les survivants les plus bruyants ou non, on s'en fout de ça. Je veux pas moi je veux pas des trucs, je veux pas des trucs factuels, je veux pas des trucs genre objectifs. Là c'est un truc subjectif, c'est mon avis à moi. C'est quoi mon survivant? C'est genre on me demande, t'en penses quoi? Je sais pas moi de Steve. Je vois Steve en premier, t'en penses quoi de Steve? Voilà par exemple c'est ça. Et du coup la question légitime c'est je me base sur quoi? Franchement. Je dirais un truc con, hein, mais je me base sur moi-même, en fait. C'est vraiment genre mon ressenti, quoi. Ça va être des trucs du genre... suivant ce que j'aime bien jouer, suivant ce que... Est-ce que généralement, quand je joue en partie, ça m'inspire des bonnes choses? Est-ce que ce survivant, pour moi, il représente une communauté toxique ou non? C'est aussi ça, ça va être beaucoup ça, d'ailleurs. Il y a beaucoup de survivants, j'en vois 3-4. Je me dis, oh putain quoi. Après c'est des trucs de licence, est-ce que genre ça me fait kiffer ou pas du tout? Il y a ça aussi. Voilà.
Il est arrivé si tard, Civil Bennett? Alors, Jameson Orland, ouais, j'y crois. Ah, mais en même temps, c'est pas dans l'ordre parce que lui, il est pas là en fait. On va pas se faire les mettre dans l'ordre parce que j'ai la flemme, je m'en rappelle même plus. Vous savez que je suis incapable de vous dire de quel ordre sont sortis les tueurs. Genre, exactement. Genre, là, je sais qu'ils sont sortis après qui et quoi, mais genre. Là, j'ai des trop gros doutes. Genre. Là, juste là, j'ai un doute. Légion est sorti avant Spirit ou c'est l'inverse? Non, non. C'est Clown, Légion, il me semble, hein. Spirit, Plague. Ah, quoique. Parce qu'il me semble que. Non, 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 c'est bien ça, il me semble que. Non, parce qu'il me semble que Plague est sorti après Légion. Ghostface, c'est probable. Pas Ghostface, c'est la. Je dis, la fois, je dis, période où j'arrête de jouer, c'était cette période-là. Mais déjà là, en fait, j'avais déjà commencé un peu à arrêter de jouer, je m'en foutais un peu de DBD. Je suis revenu parce qu'il y avait le démo Gorgon. Je suis reparti en fait. Je suis revenu parce qu'il y avait Pyramide. D'ailleurs, j'étais sûr que j'allais repartir en fait. Tant pis, je suis resté. Attends, il en manque là. Ils sont là. Hein. Attendez, je vous refais le truc. Hein, parce que... Moi, je me rappelle cette période-là de DBD pour un truc. Attendez, je vous juste petit aparté tant que je fais mon rangement. Ça rien parce que si ça me trigger en fait. Je suis un peu psychorigide. Putain, je crois que c'est comme ça. Moi, je me rappelle de cette période-là, entre Pyramidhead et Nemesis, pour un truc. C'est qu'on avait trois tueurs originels. Et ça, c'était trop bien. Mais en même temps, ils étaient pas fous. Genre, Blight. Ok, Blight, il est sympa à jouer, mais son skin, je me rappelle qu'en sensé, j'aimais pas du tout. Avec le temps, c'est allé, surtout j'ai vu ses skins et je me dis, ça va en vrai. Surtout, et en soi, en jeu, c'est assez marrant comment c'est. Charlotte, bon, vous revenez sur mon DBD analyse chapitre, voilà, vous avez mon avis, mais Charlotte, j'avais vraiment, j'aime toujours pas son design, hein, j'aime aucun skin à Charlotte, un truc de fou. Je trouve son gameplay, avec son gameplay, mon avis a évolué, je trouve son gameplay intéressant, mais trop technique, trop complexe et il manque trop de mécanique à prendre en compte. Trickster, j'aime bien le design, j'aime bien le délire. Le problème c'est que tu aurais été ultra nul quand c'est sorti, donc un truc mauvais. En fait, chaque personnage avait un truc qui me faisait titiller. Et cette période-là, en vrai, franchement, je m'en souviens en bien comme en mal, quoi. Moi, c'est vraiment une période qui m'a marqué en DBD, ça. Ces 9 mois-là. Prends une Nemesis, c'est nos beats. L'artiste, j'ai grave kiffé. Cette période-là, là, artiste, ring et tout ça, j'ai grave kiffé. Parce que c'était vraiment genre vraiment deux trucs de ouf quoi. Là c'est un tueur original qu'un tueur. Alors je vais pas faire des tueurs là, mais c'est un tueur préféré à l'artiste en vrai. Soit design, pouvoir et tout. Et c'est un tueur original qui a une map et tout. Enfin, vraiment très cool. Jonathan Byers, qu'est-ce qu'il fout là? Est-ce qu'on ferait pas une catégorie aucun avis OSEF? Déjà, attendez, on va classifier ça. S. C'est les survivants. Genre vraiment, c'est. J'adore. J'adore. C'est vraiment ça. Ah, ça va être. Très sympa. Trop cool plutôt. Mais. Il y a un mais. Il y a un mais qui fait qu'il n'est pas en S. C'est survivant que j'aime bien vraiment. J'aime vraiment beaucoup. Mais il y a un truc qui fait que j'ai un blocage. Et que ça peut pas être genre un de mes personnages préférés. B, c'est vraiment juste sympathique. Juste sympa. Ou j'aime bien, c'est tout. J'aime bien. Voilà. C'est pas la 100 plus, c'est pas la folie, c'est. Oh, ça va. Ok. Je m'en fous un peu, mais ça va. C'est, ça va être. Bof. Non, pas bof en vrai. Bof, j'ai plus envie de le mettre en D. Hein. C'est, ça va être. Osef slash. Aucun avis. C'est ça. Osef, aucun avis. D, ça va être.
D, c'est vraiment. C'est vraiment une catégorie. Même pas j'aime pas. C'est une catégorie OSEF, mais il y a un truc qui me dérange. Il y a un truc qui fait que ce survivant-là, ça me ferait quand même un peu chier de jouer. Pour une raison ou une autre. Genre en mode, pas terrible quoi. C'est ouais, ça c'est pas terrible. Alors que c'est vraiment, je m'en fous quoi. Eux par contre, c'est vraiment, j'aime pas. Eux, c'est vraiment les survivants, juste, je ne les aime pas. C'est juste, souvent, il y a un truc chez eux qui me reviennent pas. J'aime pas survivants, je ne veux pas les jouer. Ça me fait. Et ça peut me faire chier de les voir en face, genre dire, ah oh, putain, non, pas lui. Oh non, pas personne, pas mec qui joue ça. Oh, pas mec qui joue ça. Genre, un truc comme ça. Et enfin, il y a F. Enfer. J'ai envie de l'appeler va crever. C'est le tiers. C'est pas juste que je les déteste. Non, il y a un truc. Non, j'aime pas, c'est là, et là, c'est vraiment, je déteste, et là, c'est va crever. Non, on va faire ça plutôt, parce que Bob, c'est vrai que ça se rapproche un peu de OZEF. Hein. 2 secondes. Hein. Ça, on va passer en j'aime pas. Ça a mis un Z alors que j'ai clairement appuyé sur E. Ok, il va te faire foutre. Ok, ça a mis au lebourg, j'ai clairement appuyé sur droite, va te faire foutre. Non, t'as fini. Non, ta gueule. Je déteste. Et. Va crever. En enfer. Putain. De survivant. De merde. Voilà. Là, on est bon. Je sais, ça n'a pas d'accent. Je sais, c'est bon, vous allez vous en remettre. Très bien. Bah, du coup, commençons. MDR. Ah oui, moi, F, je précise. F, c'est vraiment. Alors, D, c'est juste j'aime pas, voilà, tout est dit, c'est juste, j'ai pas un avis positif sur Survivant, juste, je n'aime pas Survivant, mais après ça, je m'en fous en fait de son existence. Je déteste, Survivant m'agace, Survivant je l'aime pas, il y a un truc qui fait que je ne l'aime pas. Va crever en enfer, putain de Survivant de merde. Ça, c'est un tiers un peu magique. C'est tous les Survivants qui leur existence me fait du mal. Mais pire que ça, pour moi, leur existence fait du mal à Dead by Daylight, en fait. Genre. C'est trop la bannière, en fait, le porte-bannière, les représentants de la toxicité de Dead by Daylight, c'est vraiment genre l'horreur. Quand je vois ce survivant, je me dis putain de merde. Je pense pas en mettre, il y en a. Je vous avoue qu'il y a un survivant, ou une survivante, je dis pas, que je pense mettre, mais même pas parce qu'il y a un truc qui fait que. Ah, ça m'empêche, je vais le mettre là-dedans. Je vais vous dire c'est qui quand on y sera. Donc je ne sais pas si on mettra un là-dedans. Mais juste pour dire Jonathan Byers, j'en vais mettre. Une nouvelle catégorie spéciale, mais juste pour lui, une catégorie de Jonathan Bayer sur une catégorie tout le monde s'en fout de toi. Est-ce qu'on ferait pas une catégorie tout le monde s'en fout en vrai? Est-ce que le monde ne demande pas ça? Tout le monde. Arrête, c'est un truc vraiment très subjectif et j'ai une catégorie tout le monde s'en fout. Pour moi, c'est vraiment genre tu ne serais pas dans le jeu, ça ne changerait rien. Bravo, Jonathan Byers, tu vas là-dedans. Pourquoi Jonathan Byers? Oh, tout le monde s'en fout. C'est même pas une catégorie, en fait, je l'ai mis en dessous de F parce qu'il faut mettre quelque part, mais en vrai, je m'en fous, Jonathan Byers. Jonathan Byers, tu me demandes d'énumérer tous les survivants, y compris du coup les survivants genre légendaires. T'es sûr que je vais l'oublier? T'es vraiment sûr que je vais l'oublier? Moi, Jonathan Byers, quand il était annoncé. J'en ai jamais eu autant rien à foutre qu'un truc qui a été annoncé. En jeu, il coûte 15 balles. Donc 15 balles, c'est le prix de 3 survivants quand même, hein, faut le dire. Mais, genre, il a aucune allure. Il n'a juste bah, aucun style, hein, faut dire ce qui est. C'est juste le mec, c'est vraiment genre random, le random. Je sais pas comment dire ça comme ça. Le mec, il a juste une veste, un t-shirt et un pantalon. Et des baskets. Bravo, bravo, tu es genre random, le random. Il y a, je trouve, mais littéralement, mais aucun.
aucun intérêt à survivre en fait. En fait, il y aurait un skin un peu original, un peu genre sympathique. Je vais prendre un exemple, le problème c'est que je vais pas vous donner mon avis sur les autres survivants qui vont arriver. Mais j'en reviendrai quand on y sera, mais. Genre. Enfin. J'aurais dit, ok, mais là. Genre, ils auraient mis Hopper. En mode shérif. J'aurais compris. J'aurais totalement compris. Mais là, Jonathan Byers. Vous savez que dans la série Stranger Things, ce mec-là, je l'avais oublié. Alors, en ce moment, c'est un des personnages les plus importants. Et que c'est ma saison Stranger Things préférée. Quoi que saison 4 qui est sortie, je sais pas. Mais genre, pas dans la saison 4, même son frère, il est OSEF. Quand je les vois, j'ai l'impression de voir des figurants, mais je vous jure, c'est vrai. La saison 4, c'est terrible. Ce personnage-là, c'est pas que je le déteste, hein. C'est pas que je l'aime pas, c'est même pas que je trouve OSEF. Hein. C'est un niveau encore plus abyssal que ça. C'est un niveau limite mystique. Parce que Jonathan Byers a le super pouvoir de sortir de ma tête après que je l'ai vu. Vous savez, c'est comme si quelqu'un avait le pouvoir de te faire oublier, genre te faire perdre la mémoire, genre sur un élément. Et genre, pour que personne ne le connaisse, il décidait genre de faire oublier aux gens son existence à chaque fois qu'il en rencontrait un nouveau. Bah, Jonathan Byers, c'est ce mec-là. Bravo, Jonathan Byers. Bravo, tu es un X-Men. Mais le X-Men dont tout le monde s'en fout. Voilà. Suivant, Dwight. Ah, Dwight, je suis assez partagé en vrai. Dwight, moi j'ai un problème, c'est qu'il fait partie des vieux survivants. Moi, les vieux survivants, j'explique. Hein. Pour moi, les vieux survivants, c'est. Je vais dire jusqu'à Quentin. Mais les vrais vieux survivants, c'est jusqu'à Nea. Voire Laurie en vrai, c'est jusqu'à Laurie. Et moi, j'ai un problème, c'est que souvent, les gens qui jouent les vieux survivants, c'est un truc que je testais moi, c'est pas vrai. C'est souvent des gens un peu toxiques. Voilà. Ou alors, c'est soit des gens toxiques, soit c'est des gens complètement inutiles. C'est rarement des gens sympathiques qui savent bien jouer, qui font ce qu'ils font, quoi. Genre, moi, je remarquais souvent les gens qui sont complètement teubés en partie. C'est souvent ces survivants-là. Hein. Genre, je vais pas parler des autres, mais... Genre, franchement, c'est souvent des personnes genre qui se cachent dans les casiers. On parle de Dwight, mais en vrai, parce que Dwight, c'est la blague, mais... Tout le monde fait ça, hein. Vous savez, si les gens ils disent que Dwight se cache dans les casiers, ça vient de quelque part, hein, ça vient pas du lore des BD, hein. C'est juste que, bah, de base, les joueurs qui jouent les trucs de base, ils sont juste pas bons, enfin, c'est pas méchant ce que je dis, c'est une vérité. Moi aussi, j'ai été mauvais un jour, ils sont juste mauvais, voilà, faut le dire, je dis les mots, c'est pas grave. Ils sont juste mauvais, et du coup, ils font des comportements complètement stupides et irrationnels. Et souvent, ces gens-là, ils n'ont aucun DLC, ils n'ont rien, ils découvrent le jeu. Et les premiers survivants qu'on va dire, c'est très certainement un de ces survivants-là, quoi. Voilà. Et du coup, mais après ça, moi, Dwight, dans les 4 premiers survivants, c'est très sincèrement ce que je préfère le plus. Il est vraiment premier. Du coup, je le mettrais... Parce que Dwight, après, j'aime beaucoup ses skins. En plus, il a 20 skins gratuits qui sont vraiment très beaux. Je trouve que Dwight, de base, il a... Alors, les skins, c'est un argument que je peux aborder ou non, c'est moi qui décide. Je sais que pour certains, ça devrait pas être un argument abordable, mais voilà. Vu qu'on parle des skins légendaires, autant parler des skins en général. Dwight, je trouve qu'il y a vraiment des skins... Je trouve que c'est vraiment un survivant qui a les skins les plus stylés, en vrai, du jeu. Les plus variés, surtout. Ce que Dwight, ce que j'aime bien, c'est qu'il a vraiment un thème. Bah, le thème qui est vraiment du travail, en fait, mais du travail des merdes, travail de merde. Genre, il a un skin de bouffon, il a un skin de cycliste qui livre des pizzas, il a un skin de... Il a, putain, je sais même plus, il a plein de skins à la con, en fait, Dwight. Et j'aime beaucoup, en fait. Genre, il me semble qu'il a un skin de Noël, genre en mode, genre mascotte de Noël, enfin, c'est quand même en débile, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup, en fait, Dwight, juste pour ce truc-là. Même son skin de base, Dwight, d'ailleurs, on en parle pas, mais il est vraiment stylé. Et heureusement, je ne parle pas des compétences, parce que Dwight, il est vraiment top tier, si on parle des compétences. C'est une vraie question, ça. Est-ce qu'on parle des compétences ou pas, du coup? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Dwight, mais je sais qu'il y en a que j'aurais tellement rien à dire. C'est vrai qu'on fait le tier des compétences suivantes, donc ça vaut vraiment la peine. Mais là, si on parle des compétences, c'est vraiment les 3 compétences de base. Mais alors, sans prendre en compte les compétences, je vais juste mettre un point sur les compétences, parce que j'ai envie d'en parler là. C'est vrai que Dwight n'a pas une compétence de merde. Hein. Dwight a vraiment que des compétences top tier. Lien, c'est très fort. Mon truc que ça va faire, c'est facile dans mon top 5 des mes compétences, des meilleures compétences du jeu. C'est pas dans le top 3. Et Meneur, c'est très bonne compétence aussi. Hein.
Donc pour moi, Dwight, c'est un trop cool mais. Voilà. Merde. Meg. Vous reprenez ce que j'ai dit sur les quatre survivants de départ. Le truc là sur les quatre survivants genre de départ, que c'est souvent soit des gens très toxiques, soit des gens très cons. Ou souvent les deux, hein. Et vous multipliez par deux pour Meg. Meg, j'ai l'impression que les gens qui jouent... En fait, je vois surtout quand je joue tueur, sont des abrutis finis. Moi, mec, c'est un survivant, parce que j'ai pris du temps à apprécier, ce que je trouvais déjà qu'elle avait vraiment une sale gueule. Après, elle a glow up avec le temps en visage, parce qu'ils l'ont refaite, mais... Elle avait vraiment une sale gueule. Elle a une coupe de cheveux que je trouve hideux. Genre, c'est vraiment la coupe de cheveux de la meuf qui veut pas qu'on l'aime, qui veut vraiment être laide, quoi. Alors, c'est un avis, mais je trouve que les nattes, et les nattes, comme ça, là, raides, enfin, vraiment, genre... encore des tresses qui tombent, qui te longent ton corps, qui tombent un peu et tout, comme ça. Je trouve que ça peut faire joli, et encore, je suis pas fan. Mais les trucs comme ça, là, espèce de boudin, on dirait vraiment que ça sort du cul de quelqu'un, quoi. Pardon, j'ai un truc dégueulasse, mais c'est vrai, hein. Sa tenue, enfin, au secours, quoi, c'est... Non, c'est au secours, quoi, je vais quand même dire ça très fort. C'est au secours. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un effort pour que les skins de mecs soient moches, hein. C'est vraiment, genre, des skins de mecs où elle est stylée, il y en a pas beaucoup, hein. Et quand c'est le cas, ça sort de son thème, hein. Parce que le thème, du coup, un truc que j'aime bien chez mecs, son thème, en fait, mec, parce que vous savez que les survivants de base dans Dead by Daylight, d'ailleurs, c'est encore un truc qu'ils essayent de respecter, même s'ils respectent de moins en moins, mais c'est que chaque survivant, en fait, aborde un cliché dans des films d'horreur, principalement. Dans des jeux d'horreur, dans des films d'horreur, dans des séries d'horreur. Mec, c'est cliché du sportif. Et ce que je trouve vraiment, c'est que d'habitude, les sportifs, c'est des mecs, en fait. C'est des mecs, plutôt baraque, en mode vénéré et tout. Bah, plus David King, d'ailleurs. Et tout ça, quoi. Alors que Meg, là, pour le coup, le cliché sportif, c'est une meuf. Et je trouve ça un peu stylé, un peu marrant, quoi. Je trouve ça un côté vraiment rigolo. Et en vrai, Meg, en vrai, j'aime bien. C'est sans plus, mais j'aime bien. Enfin, je parle pas de ses compétences, mais visiblement, ses compétences sont quand même très intéressantes. Voilà. Mais mec, c'est vraiment personne que j'apprécie que tant. Mec, m'aurait demandé, genre, il y a un an ou deux, je l'aurais mise là. Mec, j'aime bien. Mec, je dis pas qu'un jour je la montrerai pas, genre Prestige 3 pour ses compétences, et genre juste parce que ça va être marrant de la jouer, quoi. En vrai, maintenant je suis à vraiment ce stade là. Mec, c'est vraiment genre je pourrais la jouer. Après, souvent quand tu joues, c'est vrai, quand il y a des mecs, c'est des débiles mentaux, quoi, qui t-bag, qui cliquent, enfin. Bon, c'est pas la championne là-dedans dans les survivants qui sont comme ça, mais pas loin. Je pense qu'elle est. S'il y avait un podium de 5 places, elle serait sur ce podium. Claudette, par contre, Claudette, tu serais sur ce podium, tu serais en 3ème place. Et ça, je le pense vraiment. Claudette, c'est un peu... Alors, je reviens encore une fois ce que j'ai dit. Vous prenez ce que j'ai dit au début sur Dwight, là. Les survivants complètement cons et qui savent pas jouer. Ou complètement toxiques. Et vous le multipliez par 2, mais par 4. Claudette, c'est... Mais... L'apothéose des survivants complètement cons. En plus, je trouve ça bien, parce que je trouve que Claudette, elle a vraiment une tête de meuf ahurie. Claudette, en plus, c'est un personnage qui avait tout pour que je l'apprécie, parce que c'est un personnage scientifique, biologiste et tout, qui aime la nature et tout ça, vraiment, c'est, je me reconnais un peu là-dedans. Mais non. Mais non. Claudette, c'est vraiment... t'as le lore et t'as Claudette en jeu. En plus, Claudette, c'est vraiment connu pour un truc, c'est parce qu'il y a une strate de merde où quand t'es complètement bloody, bah tu peux être limite camo dans le noir et tout, on peut pas te voir et tout, enfin ça, je trouve ça abominable que c'est une technique comme ça existe en jeu. Donc franchement, mais juste pour ça, mais Claudette, déjà, tu mériterais d'être en dessous de C. Moi, Claudette, je suis désolé, hein, mais moi, j'ai trop l'image des gens complètement... Je suis désolé, mais souvent, quand on joue, les gens complètement teubés, c'est des Claudettes. Quand on joue souvent, qu'on voit, c'est souvent des Claudettes. Pas tout le temps, mais c'est souvent des Claudettes. Et quand je joue tueur, les gens, pareil, qui t-back, qui clic-clic et tout, qui se cachent en mode camo et tout comme ça, ou juste qui font qui ont la compétence caca dans les buissons, c'est des Claudettes, quoi. Enfin, c'est...
Non, Colette, en plus, Colette, c'est celle qui a la compétence. Alors, je sais que je vais pas prendre en compte, mais là, je suis obligé. Mais Colette, c'est la meuf qui a la compétence prophylaxie. Et du coup, ça fait que souvent, les Colettes se prophylaxient tout le temps, ont souvent prophylaxie sur elle. Et je déteste les gens qui se cette fiche care. Du coup, juste pour ça, Claudette, tu vas dans Je déteste. Voilà. C'est vraiment. Colette, je déteste. Pas en F. Tu pourrais aller en F. Je vais pas aller en F. Parce que. Eh, pourquoi d'ailleurs elle n'irait pas en F en fait? Je veux dire ce qu'il y a pire en fait. En vrai, ouais, il y a pire. Franchement, je vais te mettre en F. Je pensais même pas à elle en plus au début quand j'ai dit je pense en mettre un, mais je suis pas sûr. Parce que tu trouves que j'ai rien à sauver sur toi, c'est ça qui est terrible. C'est que je t'aime vraiment pas. J'ai rien à sauver. Même tes skins, je trouve pas très originaux. Je trouve qu'il y a aucun skin sur Colette qui marche. Moi, je me demande pourquoi tu peux un skin de Colette genre en blouse blanche, en mode scientifique et tout. Hein. En fait, le seul truc qui m'a envie de pas mettre Colette en F, c'est que le côté lore, j'adore le côté lore de Colette. C'est tout. Mais ce qu'elle est en jeu, la communauté, ce qu'elle en a fait, l'image que j'en ai maintenant de Claudette, c'est juste. Non, je peux pas. Mais je vous ai dit juste pour le truc, des gens la jouent en Bloody juste pour se foutre, pouvoir se camo et tout, qui est une mécanique abusive du jeu. Hein. Juste pour ça, elle mérite au moins d'être en D, quoi. Voire en E. Claudette, c'est d'ailleurs le premier personnage. Non, je crois que c'est Anner, soit Anner, soit elle. Que j'ai pas monté, que j'ai pas joué pour la monter en point sur la toile en fait. Parce que tous mes survivants et tous mes tueurs, je les ai joués en fait pour les monter sur la toile. Colette, c'est la première, ou c'est la nord, je sais plus. Que j'ai monté niveau 40, mais genre. Genre avec en jouant notre survivant. Du coup, tu fais quoi? Eh ben écoute, Hugo, là, on fait la tier list des survivants. Voilà. On juge seulement les survivants eux-mêmes, on juge pas leurs compétences et tout ça. Sauf si c'est important. Parce que Colette, j'ai pas de prophylaxie, mais c'est un fait. Les gens qui jouent Colette jouent souvent avec prophylaxie, ce qu'elle a de base. Donc voilà quoi. Jake. Franchement, Jake. Jake, je trouve un peu trop OZEF en fait. Ok. Jake, je sais pas où le mettre. Jake, c'est soit OZEF, soit j'aime bien. Mais en fait, c'est que Jake. Je trouve juste qu'il y a un côté un peu trop OZEF. C'est juste ça. Je me répète, hein, je sais, mais. Moi, c'est parce que je suis vraiment vidé, parce que j'aime bien ses compétences, en fait, déjà, Jake. Le côté un peu survivaliste, je trouve qu'il se ressent vraiment bien, il est vraiment cool. Mais à part ça, OZEF, c'est un peu là où c'est free. En fait, il aurait fallu un tiers entre C et B. Pour de vrai, hein. Genre un tiers, ok. Jeff en vrai. Enfin. Jake, pardon, pourquoi j'appelle Jeff? Jake en vrai, c'est ok. Je le mettrais quand même, j'aime bien, ça va. Je le déteste pas. En vrai, Jake, j'aime bien. Oh putain, merde. Vous voyez, après, genre Jake, j'ai quasiment rien dit. Hein. En plus, Jake, souvent, les gens qui jouent Jake, ça fait partie des rares qui sont pas trop toxiques, pas trop cons. Je dis pas trop. Bien sûr qu'il y a des exceptions à tout, hein. Genre, bien sûr que je vais dire un truc au pif, mais genre on en voit jamais, mais des Lisa Garland, il y a des Lisa Garland très très. Je suis sûr qu'il y a des Lisa Garland très très toxiques qu'on a rencontrées, et des Lisa Garland aussi très très connes qu'on a rencontrées en survivant. Néa? Alors Néa, je vais être violent. Je vais être violent sur Néa. Vous savez mon avis sur Néa. Néa, c'est à elle que je pensais quand j'ai dit, je pense que je vais la mettre en F. Il y a un seul truc qui fait que Néa, j'ai pas envie de la mettre en F, c'est qu'il y a des skins elle que j'aime bien. Mais de base, Néa. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Déjà, Néa, c'est l'apothéose, avec un autre survivant qui va venir bientôt, des gens toxiques. Néa, si elle est pas première, elle est deuxième sur le podium. C'est vraiment genre. C'est. Néa, elle a vraiment cette image, plus que l'autre d'ailleurs. Dans la communauté de gens toxiques. Néa, si tu penses, tu demandes à quelqu'un, dis-moi un survivant toxique, il va te répondre Néa. T'as 90% de chances qu'il te réponde Néa. Il y a des gens, ils jouent juste Néa parce qu'ils jouent toxique. Genre en mode, bon, je joue toxique, donc faut que je joue Néa. Je vous jure, c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est le main de Gate. Ça, c'est un point, j'adore Gate, hein. Mais je ne voudrais jamais jouer de ma vie contre Gate.
Donc, franchement, Néa, j'ai trop de choses à dire. C'est la compétence caca dans les buissons en plus, c'est elle qui l'a, c'est elle la raison, l'origine de ça! Non, non, je suis désolé, juste pour ça, je suis obligé de la mettre là, mais. Franchement. Genre, moi, ça me fait mal au cœur que Colette soit là à côté d'elle, hein. Genre, franchement, parce que c'est. Colette, ok, je la hais, je veux qu'elle disparaisse du jeu. Mais, comparé à Néa, waouh! Néa, il y aurait un tiers. L'enfer des enfers, j'aurais mis dedans. C'est vraiment terrible, hein. Je déteste ce perso. Le seul truc qui fait que ça me fait chier de le mettre en F, c'est que Néa, c'est littéralement un personnage que je sais que je pourrais apprécier en la jouant. Je le pense réellement. Néa, c'est vraiment un personnage que je pourrais réellement apprécier en jouant. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas de souvenirs. En fait, j'ai tellement vu de Néa toxique. J'ai tellement vu cette image de Néa toxique, de Néa complètement con. Même quand je joue en game, en suivant, on voit souvent de Néa complètement con. Hein. Que je ne pourrais pas en fait vraiment l'apprécier. Il y a vraiment trop cette image-là qui est gravée en moi. Quoique les Néas, souvent, on va faire une espèce d'échelle des cons et toxiques. Moi, quand je dis toxique, quand tu tues, c'est des gens complètement, genre, qui cliquent, qui t-bag, qui veulent juste jouer pour être casse-couilles, qui veulent même pas jouer à DBD jouer à DBD, quoi. Ils veulent juste te casser les couilles. Pour moi, sur l'échelle de la toxicité, l'échelle de la connerie, c'est quand tu es survivant qui font genre nappe. Genre, ils font pas les générateurs, ils marchent tout le temps accroupis, ils se cachent tout le temps en écasie pour la moindre raison, ils attirent le tueur vers toi, ils se soignent pas pour qu'ils peuvent se soigner, enfin, toutes ces merdes-là. Sur l'échelle des cons, je trouve que Néa, c'est dû à, sur 100%, je dirais que c'est du 20-30%. Plus 30% que 20. Je vais dire 40 au début, c'est plus 30%. Par contre, sur l'échelle de la toxicité, c'est vraiment du 90%. Donc Néa, ça va là. Laurie Strode. Laurie Strode, c'est un peu pareil que Jake, je trouve vraiment trop osef. Hein. Déjà, son design, je suis pas fan de tout son design. Ben, c'est le design du film Halloween, hein, mais bon, voilà. Et même dans le film Halloween, Laurie, je trouve tellement osef. Tu sens que Laurie, dans le film Halloween, t'as juste été mis là parce qu'il fallait une victime à Myers. Hein. C'est triste, mais c'est vrai, hein, c'est juste ça, Laurie Strode. Hein. Et ça se ressent trop, mais ça se ressent de ouf. Hein. Ils ont voulu la rendre genre importante dans les films qu'on suivit, genre Halloween. Là, le Halloween là qui était sorti en 2018, et l'autre Halloween, Halloween Kill, moi je m'en fous, je l'ai pas vu, apparemment il est nul. Mais franchement, Laurie Strode allait bien que dans les Halloween de Rob Zombie, sinon on s'en bat les couilles de Laurie Strode. Franchement, dans Laurie Strode, je trouve vraiment osef. Ils ont fait son visage et est devenu. Ils ont vraiment réussi. Mais alors en vrai. Je trouve pas sauvable ce personnage, je trouve juste trop osef. Pour le coup, c'est vraiment juste beaucoup trop osef. Alors je parle pas de mes anciens traumatismes, quand tu vois une Laurie, tu quittais généralement. Parce que toutes les Laurie avaient des Steve Strike, et à l'époque, Steve Strike, c'était juste... injuste. Faut savoir qu'à l'époque, les Steve Strike, c'était tellement de la merde, tellement, mais baisé comme perk, c'est le mot, hein. C'est juste tellement baisé, qu'en fait, en tournoi, c'était interdit. Il me semble la seule compétence qui était interdite en tournoi. Voilà. En fait, en gros, à l'époque, les Steve Strike... c'est que dès que tu te faisais accrocher sur un crochet, bah, Decisive Strike s'activait. Et en gros, la prochaine fois que tu te fais agripper, tu pouvais utiliser Decisive Strike, comme ça. Voilà. Donc maintenant, Decisive Strike, c'est quand tu te fais décrocher, la compétence s'active 60 secondes. Et après, elle se désactive. Et elle se désactive si tu fais un générateur, si tu sabotes un crochet ou tu soignes un survivant. D'ailleurs, je me suis fait la remarque, je vais regarder des VOD. Ou des gens mettaient des Decisive Strike. Alors que genre ça faisait mais genre 30-40 secondes qu'ils n'avaient pas vu quoi. Du coup ça veut dire que pendant 30 et 40 secondes ils n'ont ni fait de crochet, ni souhait de survivant, ni fait de générateur, ni rien. Quand j'ai fait crochet, ça a beauté de crochet. Hein. C'est genre ils ont rien fait quoi. Ils sont même pas béni de totem ni rien. C'est fou ça en vrai. Voilà. Ace. Mais déjà, je trouve qu'il a vraiment une tête de con, en fait. Je trouve qu'en jeu, il rend vraiment... Ace, on s'en fout, en fait. Ace, en vrai, je vais pas débattre sans temps. Je trouve qu'il y a aucun skin qui est beau. Je trouve qu'il a vraiment l'air con partout. C'est la oséfrie la plus totale. Ace, typiquement, c'est genre le survivant, je sais que je le débloquerai jamais. Mais je m'en fous, ouais, juste, j'aime pas, en fait. Je comprends pas que des gens jouent Ace, d'ailleurs. Pourquoi Ace? Pourquoi vous jouez Ace?
Y a pas un skin qui est stylé sur Ace en plus. C'est ça qui est incroyable. Hey, je m'en fous tellement, quoi. Ace, pour moi, c'est genre... J'ai donné un exemple dans une autre vidéo, genre un personnage, mais je trouve même pas d'exemple tellement que c'est une... tellement qu'on s'en bat les couilles, quoi. Non, j'ai même pas d'exemple, c'est vous dire. C'est vous dire la gravité des faits, quoi. Ouah, c'est triste à ce point-là. Genre, Ace, genre, pour moi, de mon niveau... Genre dans Smash, c'est les Ice Climber, quoi. Je m'en fous à ce point-là, quoi. Les Ice Climber, je sais qu'ils existent, mais je m'en fous. Voilà, mais j'aime pas. Parce que Ace, ce qui fait que j'aime pas, c'est que son design, je trouve pourri. Genre, vraiment, je trouve juste pourri. Le personnage, il a vraiment l'air d'un con. Son cri, quand il se fait taper, il est insupportable. Et en plus, je crois qu'il y a... Alors, je sais plus c'est quoi, mais... Alors, je sais plus c'est dans quel sens, mais je crois qu'il y a un délire comme quoi... Ace, c'est soit le survivant le plus bruyant du jeu, soit le plus silencieux du jeu. Je sais plus. Je crois que c'est le survivant le plus silencieux du jeu, genre quand il est blessé, il fait pas tant de bruit que ça. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un truc comme ça qui existe en jeu en vrai. Genre il y a vraiment des gens qui décident de choisir leur survivant par rapport à ça. Et je crois que c'est le plus silencieux, parce qu'il me semble que c'est pour ça que beaucoup de gens le jouent en fait. Voilà. Ace pour moi c'est vraiment, j'aime pas quoi. C'est... Bill ! Ah Bill ! Bill. Ah Bill, si seulement tu n'étais pas joué par des abrutis complets. Si seulement les gens qui te jouaient avaient un cerveau. Souvent quand je vois un build, je me dis ok, il va être complètement con. Et souvent j'ai raison, c'est ça le pire. Le problème des joueurs build, c'est qu'ils sont teubés. Après ça me fait chier parce que moi build, c'est vraiment mon personnage préféré de Left 4 Dead 1. De tous les survivants. Après c'est Louis, après c'est Zoé, après c'est Francis. Build franchement, je te mets en j'aime bien. Mais en me forçant. En me forçant à oublier les abrutis qui te jouent. Et en oubliant que tu as abandonné aussi comme compétence. Qui est une des pires du jeu. Je le rappelle. Bill, en vrai, quelque chose à dire. Bah à part que j'aimerais bien un autre vrai DLC Left 4 Dead avec genre un nouveau survivant et un tueur et une map. Même juste un tueur et un survivant ça me suffit. Hein. Je vais mettre des maps les mecs. Hein. Voilà. Bill j'ai rien de tout ça à dire en fait. Feng Min. Oh putain. Alors, déjà pour commencer, il faut savoir qu'à l'époque, en Feng Min, quand j'ai commencé à DVD, Feng Min, c'est un survivant que j'aimais bien. Je trouvais un peu... En fait, quand j'ai commencé vraiment à l'apprécier, genre après la mise à jour du clown, genre quand il y avait commencé à avoir des skins que tu pouvais débloquer assez facilement et tout, avec elle, il y avait un événement, je me rappelle aussi, où tu pouvais débloquer un skin en mode robe, mais vraiment magnifique, une robe rouge et tout, avec des cheveux vraiment bien attachés et tout, enfin... Un skin vraiment, vraiment très sympathique de Feng. Et donc Feng Min, c'est un personnage qui a la classe. Je trouve un personnage un peu mignon, un peu marrant. Enfin mignon, ouais non, je dirais un peu mignon parce que Feng Min, c'est vrai que c'est une petite survivante. Je crois que c'est la plus petite de toutes les survivantes. Elle a un cri genre un peu kawaii, ouais, je vais te dire, un peu choupinou. Je sais pas comment dire ça autrement. Vraiment, Feng Min, ça, j'aime bien. J'aime bien, c'est pas aussi, c'est vraiment une beauté modeste. Feng Min, ils ont pas voulu en faire un mannequin, ça se voit, parce qu'elle a une coupe vraiment pas très belle, hein, faut dire ce qui est. Elle a vraiment bah, un visage pas très très beau, je trouve, Feng Min. Comparé à Meg, maintenant, Meg de visage, elle est vraiment BG, par exemple, pas de nom. Même Néa, hein. Alors que Néa vraiment était dégueulasse, hein. Les gens du Duke, alors ceux qui n'ont pas connu cette époque où Néa était dégueulasse, du coup, il y avait énormément de mèmes et de blagues sur le fait que Néa était hideuse, était vraiment moche en fait. Mais alors, Feng Min, en dehors du design, en dehors de l'apparence, c'est un peu le problème que Néa. C'est tellement l'emblème des gens toxiques, des gens insupportables. J'ai trop vu de Feng Min cancer.
Mais là où j'avais dit que Néa c'était genre du 30% d'abruti et du 90% de toxique, Feng, je dirais réellement que c'est vraiment du 80%, 80% de toxique et 80%, voire 90% d'abruti. Hein. Non, peut-être 80%, je dirais 80% d'abruti de toxique. Mais waouh! Mais pourquoi à chaque fois que je vois un joueur Fengmin, je pleure intérieurement avant même que la partie se lance? C'est un truc de fou, hein. Je crois que le plus de joueurs débiles qu'on ait vu, c'est des joueurs Fengmin. Moi, je me rappelle encore d'une partie récente où il y avait un joueur Fengmin qui se cachait dans le coin de la map pour aucune raison et qui faisait rien. Moi, je me rappelle encore d'une partie que j'ai faite hier. Hors live, où il y avait un joueur Fengmin, j'étais tueur. À chaque fois que je voyais la meuf, elle était en train de faire caca dans les buissons à l'autre bout de la map, qui n'y avait pas de générateur, quoi. Je l'ai chopé parce que je jouais l'artiste et je jouais avec le truc Ténèbres révélées et tout. Il était toujours près d'un truc. J'ai même trouvé un moment dans un casier, quoi. En train de se cacher dans un casier, genre, vraiment de faire ça. J'ai lancé les oiseaux dans une cabane pour. Parce qu'il y avait, un générateur. Mon corbeau a activé un truc, genre. En Stein Hunter, putain, il y a personne. Je le relance dans une autre direction, mais au pif comme ça, je vois que ça touche un casier et je vois que c'est. Oh! Oh, bah yonk, un Stein Hunter s'active! Et il y avait Fengmin dedans. Et à la fin, bizarre, c'est pas de l'insulter. Parce qu'elle foutait rien. C'est un truc de fou qu'à chaque fois que j'ai une Fengmin, c'est une grosse débile ou une meuf complètement toxique. En plus, Fengmin a un des skins les plus laids du jeu. C'est le skin d'ailleurs le plus laid du jeu qui est vraiment crade en plus. Je trouve que c'est vraiment genre le skin fait pour être. Je trouve que le skin a été fait pour être moche en fait et dégueulasse. Et pourtant, tout le monde le joue. Et j'ai appris que c'est un des skins préférés de la communauté. Mais pourquoi vous aimez ce skin? Ce skin lapin, là, le lapin de Pâques. Mais ah, il est dégueulasse, ce skin. Non, franchement, Fengmin, pour moi, c'est va crever, tiens. En vrai, hein. C'est vraiment genre, je déteste ce personnage. Franchement, Fengmin, moi, le seul truc que je vous dirais que j'ai envie de sauver, parce que ça, il faut que je le dise, ça, je l'ai pas dit, mais j'y pense, en plus, vu que je vous parle, il faut que je le dise, c'est que c'est vrai, paradoxalement, l'un des joueurs les plus cool et intelligents qu'on ait vu, c'était aussi des Fengmin. Genre la même partie là où je vous dis qu'il y avait une grosse débile qui se cachait dans un coin de la map et qui faisait rien. Mais il y avait une autre Fengmin qui au contraire essaie de sauver la game. Mais de ouf, genre comme un pouvait. Voilà, ça faut le dire. C'est vraiment mes pires ennemis, quoi. David King, franchement... Ça va être très vite, David King. Hein. J'aime bien son design, c'est un des premiers survivants que j'ai décidé de jouer. Parce que au début, quand j'ai joué direct, après je suis vite parti sur David King. J'aime beaucoup David King, je trouve que le côté un peu brut et tout, le fait qu'il a un peu ce genre de sens, c'est fait, je trouve ça rend plutôt bien. Le fait qu'il ait l'arcade un peu défoncé et tout, je trouve ça vraiment cool. Les skins David King sont vraiment sympathiques aussi. Le fait qu'il soit gay, je m'en bats complètement les couilles. Et... genre, c'est pas un point positif ou négatif. Parce que donner la sexualité à des personnages dans des Dead by Daylight, je trouve ça pas intéressant. À moins que c'est quelque chose dans le jeu, mais voilà. Donc moi franchement, David King, je le mettrais en j'aime bien. Voilà. C'est sans plus. J'ai beaucoup d'affect pour David King. Pas David King, il y a aussi pas mal de débiles qui le jouent. De souvenirs. Mais souvent, les gens qui jouent des survivants, genre... Souvent, les survivants, je remarque, les gens qui jouent des trucs complètement débiles, c'est des trucs genre qu'on voit souvent aussi. Hein. Genre, beaucoup de gens, genre, je donne un exemple, hein. Beaucoup de gens jouent ces survivants-là, beaucoup de gens jouent ces survivants-là. Genre, tous ces survivants, quoi. Laurie Strode, il y en a quand même moins. Par exemple, Laurie Strode, c'est juste parce qu'elle a des strikes, on va pas se mentir. Moi, je suis persuadé que Laurie Strode aurait des compétences de merde, personne ne jouerait, personne n'apprendrait. Pour de vrai, hein. Moi, je vous dis, des strikes que je vois dans le temple, je l'achète. Hein. J'ai appelé Freddy, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est son tueur, c'est Freddy. Quentin, je sais plus quoi. Quentin. Pourquoi pas Nancy déjà? Tout le monde se pose cette question. Tout le monde aimerait avoir la réponse. Le pire, c'est que les développeurs l'ont cette réponse. Quentin.
Moi, Quentin, en fait, je t'aime bien pour un truc. C'est que ta pharmacie. Malheureusement, c'est parti tes compétences et on ne juge pas par les compétences. Tu oses, Quentin. Moins oses que Laurie, quand même. Mais tu oses quand même. Je suis aberré qu'on n'en a mis qu'un seul en A. Bill, j'ai hésité en vrai. Ah! David Tap! Par contre, David Tap! Et là, je vais étonner les gens. Mais c'est du S! J'adore David Tap! David Tap, quand j'ai commencé à jouer, alors j'ai dit jouer Dwight et David King, sauf que moi j'ai pris le DLSSO. Donc, quand j'ai commencé à jouer. Alors, pour une raison que j'ignore, j'ai commencé à jouer avec le truc saut, genre au bout d'une semaine ou deux, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que, en fait, dans ma tête, c'est que les personnages de saut étaient techniques à jouer. Du coup, je voulais d'abord prendre le joueur en main, je crois qu'il y avait un truc comme ça. David Tap, franchement, c'est un des personnages que j'ai le plus joué. C'est pour de vrai, c'est pas une blague, c'est le personnage que j'ai le plus joué. C'est le premier personnage que j'ai passé prestige en survivant. Et j'étais trop content, genre en mode, waouh, ouais, trop bien et tout. D'ailleurs, David Tap, je sais pas si les gens qui ont vu les violets, mais il était prestige 1 en fait quand je jouais. C'est un personnage qu'on a beaucoup joué aussi à l'époque. Sinon, vous savez pas non plus, mais quand je faisais mes lives DBD avant, quand il n'y avait pas eu une Jin Lee et Adi et qu'il n'y avait pas non plus Ezer, parce qu'avant il n'y avait pas ces personnages-là, hein, quand je faisais mes lives DBD, et bien je jouais qui du coup? Vous vous demandez ce que c'est souvent que je joue plus, ça, je vous ai dit. Et bien je jouais David Tap, je jouais tout le temps David Tap. Voilà. Et quand je jouais pas David Tap, bah je sais pas qui jouait. Je jouais David King ou Dwight. Mais Dwight, généralement, je jouais pas parce qu'on jouait beaucoup avec Camaros, parce que Camaros jouait déjà beaucoup Dwight en fait. Donc pour moi, David Tap, franchement, déjà j'aime bien le côté flic et tout. Vraiment, je trouve que son skin a vraiment mal vieilli. Il y a des skins vraiment stylés, David Tap en vrai. Il a le skin là, barbecue de la faille, je suis très très fan. Et là en vrai, j'y repense, David Tap, franchement, on devrait le rejouer en live parce que c'est vraiment un personnage que j'adore. Je regrette un peu de ne pas l'avoir monté Prestige 3 pour avoir le petit cadre rouge de merde qui sert à rien. Franchement, un peu de regret au fond de moi. Genre juste pour dire, voilà, David Tap, respect. Franchement, c'est vraiment un de mes persos préférés des BD. Je joue jamais, j'en parle jamais, mais voilà, faut le savoir. Kate. Alors Kate, c'est par contre le premier souvent que j'ai monté Prestige 3. Et j'en parle en live souvent quand je parle de Kate, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, pour moi, la raison, c'est que on me l'a offert à mon anniversaire. Bah, en fait, on m'a offert le DLC Queen à mon anniversaire, c'était Rosaline. Mais c'était grave en retard, je crois que c'était un mois après mon anniversaire en vrai. Voire plus en fait, j'en ai pensé. Non, c'était un. Non, non, mais c'était bien plus que ça en fait. Mais trouver l'excuse, c'était ton anniversaire et qu'elle m'avait rien offert. Et du coup, je me rappelle, j'avais beaucoup joué Kate. Parce que, en fait, je pouvais pas trop jouer le soir, et le soir, c'est seulement il y a les parties. Par contre, à l'époque, je pensais que le matin, il y a beaucoup de parties tueurs. Mais surtout, tu voulais jouer, souvent, généralement, c'était l'après-midi. Et moi, je jouais beaucoup l'après-midi, parce que c'était surtout l'après-midi qu'on avait le temps libre, parce qu'on était en vacances avec des potes, genre en coloc et tout. Ça a duré un mois. Et bien, pendant ce mois-là, je jouais qu'à des BD, et je jouais Kate. Du coup, c'est pour ça que Kate a un peu d'affect. Souvent, les joueurs Kate, ils sont un peu toxiques. Mais ça, c'est depuis aussi la mise à jour avec Effusion, là, le truc et tout, qu'on commence à voir. On en voit de moins en moins. Il y a un vrai Kate, je crois que c'est. C'est un des rares souvent quand je vois un mec en face jouer Kate, je me dis, j'ai aucun avis. C'est comme Tap, j'ai aucun avis particulier, en fait. Kate, pour moi, c'est. C'est j'aime bien. C'est pas plus que ça. Je trouve que son design de base, je suis pas trop fan, en fait. Genre, le truc, genre le short en jean et le débardeur. J'aime beaucoup son débardeur, mais alors, short en jean, tout, je trouve que. Je faisais la blague avant, genre il y a longtemps, mais genre c'est un caleçon son truc, c'est pas un short, c'est un caleçon quoi. Genre le truc il peut pas être plus court. Enfin, je dis ça, je suis sûr qu'il y en a qui sont capables de sortir un truc effectivement plus court, mais plus court c'est un slip. Alors. Mais genre voilà quoi, j'ai genre. D'ailleurs je me rappelle, c'est pour ça que j'ai débloqué genre un pantalon pour Kate, que je trouvais ça grave gênant en fait de la jouer en short, pour de vrai, hein, c'est pas une blague. Vous me demanderez, je vous montrerai, j'avais débloqué vraiment un pantalon pour Kate. Kate a des skins plutôt sympathiques en plus. Et de base, c'est un personnage que j'aime bien, mais sans plus. Et c'est vrai que pour l'époque, il était changé un peu. En vrai, elle avait une allure qu'on n'avait pas vue encore dans des BD. Hein. Un truc que j'ai pas dit sur Tap, si, faut que je le dise par contre. Un petit bémol sur Tap, c'est qu'il ressemble pas à Danny Glover. Ça, pour moi, c'est un problème. C'est un défaut. Voilà. Petit aparté fini.
J'adore Danny Glover. Predator 2, hein, tu connais. Saw 1, tu connais. J'adore Danny Glover. Jeff Johnson. Alors, Jeff, c'est un survivant que je n'ai pas. Mais, je sais que c'est le prochain que je vais débloquer. J'aime beaucoup Jeff en vrai. Le truc, c'est que j'ai pas vraiment d'affect parce que j'ai jamais joué Jeff. Mais Jeff, j'adore son style. C'est vraiment genre le style métalleux, genre la grosse barre, les cheveux longs et tout, j'adore ça. D'ailleurs, c'est pas bon, entre autres, mais c'est pour ça que je veux me faire pousser les cheveux, parce que là, je veux aussi avoir une barbe, et finalement, ma barbe, j'ai pas de barbe, en fait. Je suis comme ça, il y a des gens et des mecs qui ont pas plus de barbe que ça. Moi, ma barbe, vous voyez, quand elle est poussée là, elle ne poussera pas plus, là. Et du coup, moi, j'aime bien le skin de Jeff, j'aime beaucoup le côté, en fait. J'aime bien ce que Jeff, c'est pas un mec svelte, c'est vraiment un mec un peu gros et tout, un peu balourd, mais je trouve que ça rend vraiment bien, en fait. Ça, c'est vraiment un bon point pour Jeff, ça, je trouve. Ça le rend, en fait, remarquable par rapport aux autres survivants. Ça le rend identifiable. Voilà. Donc, moi, Jeff, franchement, c'est trop cool, mais... Et le mais, c'est juste, bah, j'ai pas d'affect, parce que j'ai jamais joué, en fait. Jeff, je suis sûr que je joue un peu. Il va en S. Il va dans mes survivants préférés. Jane. Bah, Jane, un peu, un mélange entre Jeff et Kate, c'est que je trouve déjà qu'elle a une allure... Qui est vraiment genre qu'on a jamais vu dans des BD. Elle a une classe, je trouve, Jane, en vrai. Et un truc que j'ai vraiment kiffé quand elle était sortie, quoi. Elle a vraiment, bah en plus, c'est vraiment le délire, mais genre de meuf présentatrice télé et tout, genre mais de show américaine, quoi. Ça, c'est vraiment, elle a vraiment l'allure d'une, je veux dire, d'une showman, mais showwoman, c'est bizarre de dire ça. Vous voulez dire l'allure d'une showman, quoi, c'est vraiment genre. Pff. Après, Jane, à part ça, à part vraiment qu'elle a la classe. Son skin de base, son plus beau skin d'ailleurs aussi, j'ai pas dit ça, mais son plus beau skin, c'est son skin de base, y a pas débat. Le costard et tout, je trouve ça va super bien. Bah, j'ai pas trop de choses à dire ouais, sur Jane, hein. C'est pareil, j'ai jamais joué. À un moment, je voulais la débloquer d'ailleurs, mais finalement, je l'ai pas fait. Je vais expliquer pourquoi plus tard. C'est qu'un autre survivant est sorti, qui est Jane, mais en mieux. Pardon, c'est vrai. Et Jane, ça va juste être, hein, j'aime bien. J'aime bien son design, je trouve qu'elle a vraiment de la classe, elle a vraiment de l'allure. Le fait qu'elle soit pas, genre qu'elle a pas un physique de mannequin, j'aime beaucoup aussi, parce que Jane, elle est vraiment assez enrobée, quoi. Mais c'est vraiment un bon point. Parce que là, j'ouvre une porte, je suis littéralement en train de suer de tout mon corps, que je ne sue jamais. Voilà, excusez-moi pour cette petite aparté de merde. Donc voilà. J'allais oublier son nom, putain. J'adore Evil Dead. H de... H versus Evil Dead. Alors, moi, mon seul regret avec H, c'est qu'il y a... Genre... Moi, franchement, il y aurait eu ça, j'aurais acheté le skin. C'était avoir la possibilité de jouer la version. Mais H, Evil Dead... H Evil Dead 2, en fait. Pas H Evil Dead 1, mais H vraiment Evil Dead 2. Genre, j'aurais vraiment kiffé. Parce que dans Evil Dead 2, il a vraiment une gueule plus ébouriffée, plus cinglée, en fait. Alors que dans le 1, il fait vraiment genre garçon sage, je trouve. Ça, c'est mon seul vrai regret avec ce personnage-là. C'est un personnage que j'ai vraiment hésité un jour à acheter, enfin à débloquer. Du coup, parce que j'avais des cellules de rats en rab et du coup, j'avais hésité à le débloquer. Finalement, je sais plus ce que j'ai fait avec. J'ai rien fait, je crois. Et du coup, H, en vrai, franchement. Après, j'aime bien le perso, en fait. Je sais pas si j'aime bien, parce que j'aime bien la série. Je trouve que c'est marrant le fait qu'il parle et tout, mais. En fait, le problème, c'est qu'il parle pas en jeu, en fait. Genre, quand tu joues en jeu, genre en partie, il dit rien, quoi. Et tout, c'est un peu dommage. Ça aurait pu rajouter vraiment du cachet au jeu. Moi, H, en vrai, je le mettrais en. En vrai, c'est à la limite entre Osef et j'aime bien, quoi. Ouais, en vrai, ça va. Je le mettrai en j'aime bien. Parce que c'est, en fait, c'est parce que c'est H de Evil Dead. Après, en jeu, je trouve que c'est un peu trop Osef. Par contre, Nancy. Alors, Nancy et Steve, vite fait, hein, j'explique. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats, mais turbo les couilles. C'est un truc de fou. Genre. Waouh. Waouh. J'ai que ça à dire, waouh. Déjà dans. Alors.
Nancy dans la série Stranger Things, j'en ai rien à foutre. J'en ai vraiment rien à foutre. Je trouve que c'est un... Je m'en fous de ce personnage. Je m'en fous complètement. Dans Stranger Things 2, je ne me souviens même pas d'elle. Dans Stranger Things 3, je ne me souviens même pas d'elle. Si, en Stranger Things 3, je me rappelle au début quand on fait son enquête avec les rats et tout. Mais en vrai, j'ai oublié ce qu'elle devenait. Stranger Things 1, si je m'en souviens quand même. Et la saison 4, je m'en souviens quand même. Je m'en souviens d'elle. Mais alors. Waouh, mais je m'en fous complètement de ce personnage. Alors, tant le jeu. Sauf que le jeu a vraiment une tête de con, quoi. Pardon, mais c'est vrai, quoi. Elle a vraiment une tête de con. Du coup, moi, Nancy, c'est là. Alors, Steve. Alors, pourquoi si j'aime bien, dans Stranger Things, j'aime pas la saison 1. Je trouve ok dans la saison 2, parce que j'aime aucun personnage de la saison 2. Je trouve ok dans la saison 2. Je l'adore dans la saison 3 et 4. Mais alors, dans DBD. Je sais pas, il a rien sur ça, il a une allure à lui, hein. D'ailleurs, je crois que c'est un des plus grands survivants du jeu, mais alors, waouh, qu'est-ce que je m'en fous. Genre, qu'est-ce que je m'en fous de Steve. Je sais pas, j'ai vraiment rajouté en mode, j'ai de trouver des trucs à dire, mais, ouah, mais non, j'ai rien à dire, mais je m'en fous complètement de ces personnages. Genre, même avant, j'avais pas envie de les monter en niveau pour débloquer leurs compétences, quoi. Même si j'ai monté niveau 40 parce qu'il y avait, trois compétences à elle que je voulais. Force intérieure, finalement, force intérieure, quand j'ai débloqué, j'ai découvert que c'est de la merde, parce que j'aime pas force intérieure en fait. Et de toute façon, maintenant faut plus jouer avec, maintenant qu'il est totalement harcelé. Non, j'ai rien à dire. Non, j'ai rien à dire. Je m'en fous. Voilà, c'est ce que je veux dire. Yui. Ah, par contre, Yui. Que dire sur Yui? Bon, je vais fermer ma porte après, mais... parce que je gueule plus, du coup, j'ai envie de gueuler. Je vais plus gueuler parce que ma porte, elle est ouverte, du coup, dans la rue, ils vont gueuler et dire « Ouais, c'est de la merde !» Je peux pas, du coup. Moi, Yui, je vais dire que c'est merde, Yui, je vais dire, au contraire, j'aime très bien Yui. Yui, franchement, pour moi, c'est du as, Yui. Franchement, le seul bémol, et c'est vraiment pour chipoter, mais dans son skin de base, elle a un pantalon de pyjama, et ça, c'est non. Pardon, mais on dirait vraiment... Alors, je suis désolé, mais Yui, on dirait vraiment qu'elle porte un pyjama, quoi, au début. C'est dans son skin de base. Et ça, c'est non. Ça, pour moi, c'est non. Alors que Yui a des skins magnifiques. Le skin, avec le pantalon, là, imprimé léopard, ou... Enfin, pas léopard, mais tigre, avec des bottes blanches. Le espèce de gros gilet balistique là avec le tigre peint dessus et la coupe de pétasse et le maquillage de pétasse. Je suis fan de skin, je l'ai pas, mais je suis fan de ce skin, faut le savoir. Franchement, Yui, le perso, je trouve de base, il a la classe. Je trouve vraiment qu'il a la classe. Je trouve que juste le fait d'avoir un personnage féminin, mais ultra baraque, genre vraiment ultra vénère, genre c'est vraiment genre. Parce que Yui, c'est vraiment genre la Yakuza, mais c'est un peu le cliché, ça, de meuf délinquante Japon, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Je vais fermer ma porte, parce que j'ai des gens dans la rue, j'ai pas envie de les déranger. Voilà. Non mais Yui, voilà, c'est vraiment genre... J'aime beaucoup cette survivante, j'ai vraiment énormément joué. C'est le premier survivant que je me suis dit, ah cool, j'ai envie de main un survivant. Parce que même David Tap, c'était pas encore ça. Et là, je me suis dit, cool, j'ai envie de main un survivant. Voilà, ça me fait plaisir. Zarina, alors... J'adorais jouer ce perso, le problème c'est que c'est pas une priorité du tout à débloquer. Le personnage que j'ai revu à la hausse, au début je trouvais vraiment Ozef, et que quand je fais ah elle est plutôt cool, ah elle est plutôt sympa et tout, et en fait maintenant je me dis ah putain, franchement ça, là c'est un perso qui me tente beaucoup, mais surtout pour ses perks, mais alors juste niveau design je trouve que Zarina elle a quand même la classe. J'aime beaucoup ses skins à Zarina, elle a vraiment des skins vraiment stylés, et je trouve qu'elle est vraiment vraiment classe, quoi. C'est juste, je trouve très basiquement, je trouve que Zarina elle a vraiment un personnage qui est vraiment cool, ça donne un peu la jeu, je pense que c'est genre le perso, si je l'avais, je pourrais le jouer. On voit pas beaucoup de Zarina en vrai, hein, en jeu. Je vois pas beaucoup de gens jouer d'ailleurs.
Petite remarque là-dessus, mais c'est vrai que je vois très peu de joueurs Zarina. Yui, on en voit pas mal, hein. Je pense parce que le personnage plaît beaucoup, Yui aussi. Genre, les Jeff, on en voit jamais, par exemple, les Jeff. Or qu'il a vraiment trop la classe, par contre, je comprends pas Jeff. Mais ouais, Zarina, franchement, je la mettrai en j'aime bien. Mais je pense que je la jouerai à pour elle en S. Bon, alors là, il n'y a pas débat, mais. Izor, c'est S. Bon, Izor aussi, la triche, c'est que c'est Silent Hill et que je suis un gros fan de Silent Hill. Je trouve, en dehors de ça, que le personnage. C'est la première fois dans DBD. Je me rappelle, je m'étais fait la remarque quand c'est sorti. Le personnage était tellement bien fait, genre niveau design, genre graphisme et tout, genre la tenue, le tissu, les cheveux, j'en rappelle surtout les cheveux, genre le visage, genre les émotions qu'on pouvait lire sur le personnage, la posture et tout, la dynamique et tout, enfin, c'était tellement mais bien fait, mais genre au summum de tout ce qui était fait dans des BD, que je m'étais vraiment dit, ouais, on dirait pas que ce personnage vient de ce jeu, on dirait qu'il vient d'un autre jeu. On dirait qu'il vient de se TP d'un mauvais jeu. C'est comme si t'avais un personnage d'un jeu PS4 qui arrivait sur un jeu PS1. C'est vraiment ça pour moi, c'est vraiment le ressenti que j'avais. Izor, elle a vraiment juste trop la classe, quoi. Après, c'est Izor, quoi. Mais je me demande si les gens qui ne connaissent pas Silent Hill kiffent Izor, en fait, ont aimé. Parce que après, Izor, en dehors de ça, je trouve qu'elle a vraiment mais un look vraiment mais mémorable. Dans tous les survivants des BD, Izor, pour moi, quand tu l'as vu, tu t'en souviens tout le temps. Genre, tu redemandes aux gens, tu t'en souviens de celui-là ? Genre, tu montres aux gens, genre, pendant 5 minutes, les survivants des BD. Genre, tous les survivants, genre, un par un, genre, on va dire, et 2 minutes. Quand on te les remontre, genre, on te refait un test, on te remonte les personnages, on dit, tu dois répondre, tu t'en souviens ou non. Izor, je ne peux pas croire que quelqu'un répondrait non, je m'en souviens pas. Genre, l'espèce de gilet sans manche, espèce de doudoune sans manche, là, blanche, avec l'espèce de col roulé orange, la jupe, et les bottes hautes, comme ça, et tout. Ses cheveux blonds courts, comme ça, mais quand même en volume et tout, enfin. Cette tête de meuf qui a vu la fin du monde, c'est vraiment, genre, waouh. Tu es obligé de t'en souvenir, je refuse de croire que tu ne peux pas te souvenir de ce personnage-là, il a trop d'allure. Franchement, je le dis, là, au cas où, mais Izor, en vrai, il y aurait un S+, il serait en S+. Mais je vais pas de S+, parce que c'est sur les S+. Bon, Lisa Garland, c'est pareil. Bon, Lisa Garland, encore une fois, c'est Silent Hill. C'est un des personnages préférés de Silent Hill 1, une histoire super profonde et tout. Et je trouve que c'est bien retranscrit dans le jeu, en mode... le sourire forcé et tout, en fait. Genre, le truc, vraiment, c'est la meuf qui essaie de partager des émotions positives et tout. C'est limite un peu, mais j'ai envie de dire caricaturé, mais j'aime bien, c'est bien fait, je trouve, en fait. Vraiment pareil, un design atypique, c'est vraiment l'infirmière, mais vraiment vieil uniforme d'infirmière, quoi, vraiment d'époque, quoi. Ça, c'est vraiment trop cool. Bon, la meuf court en talon. Et ce que je trouve marrant, anecdote que j'aime bien raconter à des gens et qui est assez sympa, c'est qu'il faut savoir que la nurse a été inspirée par Lisa Garland. Genre, en mode, des BD, ils sont inspirés d'elle pour faire la nurse. Ce qui est marrant, parce que maintenant, Lisa Garland est vraiment en jeu. Du coup, la boucle est bouclée. Voilà. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment inspiré de ça, hein, c'est vraiment inspiré d'elle. Parce que si vous ne savez pas, Lisa Garland dans Silent Hill, c'est un monstre. C'est pas du tout une meuf bien. Mais c'est pas genre, c'est pas au début de Silent Hill 1, quand tu la croises la première fois, elle est normale, et à la fin c'est un boss ou un monstre. Non, c'est dès le début quand tu la croises, en fait, c'est pas vraiment une humaine, en fait. C'est une créature. Voilà. C'est une espèce d'entité de Silent Hill, si vous préférez. Du coup, Legit, c'est vraiment la seule survivante, il me semble, si je dis pas de la merde, qui n'est pas vraiment humaine, en fait. Hein. Très bonne question. Il n'y a pas Maria sans Maria aussi. Bon, je spoil, mais Maria, en même temps, c'est le boss de Silent Hill 2. C'est le boss de fin. Il y a des personnages qui ont des habilités surnaturelles, genre elle et lui. Mais il n'y a pas de personnage vraiment... Non, à part elle, qui est vraiment juste pas humaine, en fait. Mais d'ailleurs, parce que je trouve que, ouais, hein, c'est vraiment le rouge comme ça et tout, bien brillant avec genre son petit chapeau d'infirmière et tout, là, je trouve que c'est vraiment marquant, quoi. Félix Richter. En vrai, je trouve qu'il a trop la classe, Félix. Genre, comme ça, je trouve que Félix, il a vraiment trop la classe. Genre, il a vraiment une allure. En vrai, je trouve que Félix, c'est un peu trop parodique, c'est un peu trop le BG, quoi, genre... Genre, j'ai pas lu son lore, mais je suis sûr que dans son lore, le mec, il est absolument parfait, il a tout réussi dans sa vie, quoi. C'est genre... C'est sûr que c'est ça, en vrai. Genre, le mec, il est que bien, quoi. C'est genre... C'est limite ça, pour moi, qui fait un peu défaut, ça se voit trop, quoi.
Genre une gueule un peu plus fatiguée, j'aurais bien aimé quoi. Mais Félix, en vrai, j'aime bien, en plus c'est le main de Unicode, donc moi quand je vois Félix. Bonjour, mais Félix, c'est quoi, je mettrai en trop cool, mais. Parce que Félix, quand je vois, c'est l'Unicode qui joue, et quand c'est l'Unicode qui joue, ça me rassure, ça fait du bien. Félix, c'est vraiment genre. J'adore, c'est franchement. J'adore Félix. Très peu joué Félix, pareil, et souvent quand j'en joue, par contre, c'est bien, c'est des gens très sympathiques. Mais j'ai pas le perso, donc je peux pas. Là-dessus, voilà. J'aurais bien aimé, genre, mettre un. J'aurais bien aimé, genre, qu'il donne l'option, genre, de mettre une espèce de halo lumineux autour des cadres et qu'on choisisse ce qu'on veut ou pas. Je vous aurais mis un halo lumineux sur les survivants que j'ai et les survivants que j'ai pas, en fait. Pour que vous compreniez. Elodie, en vrai, j'aime bien Elodie, hein. Je l'ai pas, pareil, mais je sais que c'est un des trucs que je compte débloquer prochainement. Sinon, les personnages que je compte débloquer prochainement, c'est Jeff, Elodie, Zarina, j'hésite. Zarina, c'est dans peut-être. Félix, c'est dans peut-être aussi. Ah, j'en ai oublié un. On a un troisième. Si on avait cinq. Quatre, pardon. Attends. Elodie. Jeff. Ah non, c'est bon, c'est le. Ok, ben voilà. Ah, il y avait Jane aussi. Jane va me tenter aussi quand même, comme perso. Mais voilà, en gros, c'est ça. Mais Elodie, en vrai, j'aime bien. Franchement, c'est un personnage qui est cool. En plus, elle est française, donc ça c'est top tier, c'est BG tier. Hein. Elle est française, donc ça c'est génial. Pareil, c'est un personnage, je pense qu'autant je pourrais l'aimer. Elle a des skins vraiment très sympathiques. Elle a vraiment style à classe sans que ce soit abusé en fait, comparé à Félix. Vraiment, un perso vraiment très stylé. Et pareil, je trouve qu'elle a un peu comme Izer. C'est pour ça que quand tu la vois, tu la retiens, quoi, espèce de cheveux, mais ultra, genre, volumineux, mais genre, mais survolumineux, bouclé, enfin, vraiment frisé, genre, ouais, ça, me frisé, je sais pas, j'ai du mal avec les termes de cheveux. Enfin, j'ai dit, une fille qui avait les cheveux frisés, elle m'a dit, non, ils sont bouclés, je fais, oh. Non, on m'a dit, comment, j'ai dit, t'as les cheveux frisés, elle m'a dit, non, ils sont comme ça, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais, si tu veux, je sais pas, je m'en fous. Moi, je sais quoi, les cheveux lisses et tout. Je sais que j'ai les cheveux lisses, par exemple. Donc franchement pour moi ouais c'est là Elodie. Rien de spécial à dire Elodie, hein, c'est à sort d'un DLC pas ouf, hein, à sort de voilà. Je rappelle que j'ai débloqué les jumeaux uniquement pour oppression, rien d'autre. Je ne regrette pas d'ailleurs. Bon, c'est mon main, voilà. Ginny c'est mon main survivant, normal qu'elle soit en STR. Quand j'ai vu le DLC arriver avec quand j'ai vu ouais, le DLC arriver avec Trickster, j'étais là. Oh putain. La meuf de base, hein. Fabuleuse. C'est les cheveux violets mais clairs en surbrillance. Ce manteau en fourrure, ce chemisier en satin mais violet pétant. Et cette jupe en cuir noir, de la plus grande des classes au monde. Ces espèces de talons noirs avec des chaussettes, mais des chaussettes en dentelle. C'est pas des collants en dentelle, c'est des chaussettes en dentelle. Yunjinli, tu es fabuleuse. J'adore Yunjinli. Je trouve que cette meuf a beaucoup trop la classe. Ces skins, je crois qu'il n'y en a qu'un seul que j'aime pas, parce que ça fait pas Yunjinli. Mais ils sont tous, mais. Magnifique, même son skin pyjama il en ride à la classe. Yunjinli, tu es parfaite. Bravo. Bravo, tu es parfaite. Franchement, j'ai l'impression d'avoir rien dit, mais juste le design du personnage, juste. Ah, aussi, il faut qu'on en parle dans le menu. Les pauses café. Les pauses! Cette allure de pétasse, moi j'adore, moi je suis trop fan, moi j'adore les, moi j'adore, moi j'ai toujours dit, hein, j'aurais été une meuf et j'aurais été une vraie pétasse, hein. Genre je pense pour de vrai que j'aurais été une meuf, mais même avant Eugenie, je disais souvent genre, moi, je serais une meuf, mais je me verrais comme une pétasse comme ça, je disais souvent genre, je mettrais des pantalons en cuir, des jupes en cuir, je mettrais des chemisiers, mais alors vraiment, pff, genre des trucs, genre vraiment de catin de l'espace quoi. Bah alors Yunjinli c'est parfait, Yunjinli c'est. J'adore. En plus ce que j'aime bien c'est que Yunjinli c'est pas non plus une.
c'est pas non plus une mannequin quoi. D'ailleurs, une Ginny, ça sent qu'elle a de l'âge. Une Ginny, ça sent qu'elle a pas qu'elle a plus vers les 40 ans que les 20 ans, tu vois. Genre, une Ginny, je devrais donner un âge, je pense qu'elle a 36 ans par là. Voire peut-être même 40 en vrai. Ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Le fait aussi que dans le jeu, dans le lore, je sais pas trop du. En fait, dans le jeu aussi que Yun Jinny, c'est vraiment une mécanique de base de. Elle veut survivre. Elle doit. En fait, que tous les survivants de base, c'est un truc de. Ils doivent s'entraider entre eux. Ils ont une logique de. Il faut s'entraider, il faut pas se laisser tomber. C'est pour ça que d'ailleurs, l'entité les choisit. Pas qu'ils juste ils se tuent entre eux ou ils se laissent tomber, ils laissent crever et puis voilà. Qu'ils s'entraident un minimum. Le fait que Yun Jinny fait ça, mais dans une optique. De se servir d'eux comme des pions, genre en mode elle s'en fout de ta vie, elle a vu se servir de toi, qui a une logique inverse de la part et pour, des autres survivants, et pourtant que t'as quand même besoin des autres survivants pour interagir avec ses compétences, ça je trouve ça grave intéressant. On parle pas des compétences, mais je trouve ça intéressant dans le lore du personnage, ça veut tout dire pour moi. Genre par exemple, un truc qui résume bien ça, c'est la compétence qui fait que quand un survivant se prend un coup, d'un coup tu t'accélères ta vitesse, si t'es à côté. Ça par exemple, ça raconte beaucoup sur Yun Jinny. Ça raconte vraiment beaucoup. Parce que la compétence, tu pourrais dire que ça pourrait être une compétence genre solo de merde comme caca dans les buissons ou abandonné par exemple. Mais non, là c'est vraiment un truc en mode t'as quand même besoin des autres. Tu peux pas faire ça sans les autres. Elle le sait en fait. C'est un peu comme Dwight, mais Dwight parce qu'il a peur Dwight. Et Dwight, je pense que Dwight il a vraiment envie que tout le monde survive. Elle s'en fout. Elle, tant qu'elle s'en sort vivant, elle s'en fout. C'est ça le truc. Et ça je kiffe. Salut Esteban de retour. Là c'est vraiment une Ginny, franchement. Excellent. Il reste encore quelques survivants. Mais Yunji, en vrai, j'ai aucun truc négatif à dire. Franchement. Là, son skin qui est sorti, juge des étoiles, c'est legit le meilleur skin des BD. C'est vraiment legit le meilleur skin des BD, mais tout confondu. Tueur et tout confondu, je m'en fous, je reste à voir. T'as fait la thèse des tueurs ou pas encore? On l'a déjà fait il y a longtemps, la thèse des tueurs. Je compte pas la faire maintenant. La thèse des tueurs, on la refera peut-être fin d'année, tu vois. Je suis pas comme Odzerva, il fait une tirée des tueurs à chaque fois qu'il y a un nouveau tueur, mais moi je suis pas comme ça. J'aime pas trop, j'ai pas mon délire. Après il a raison, mais moi je pas tout mon délire. Jill. En vrai Jill, je vais pas me faire des amis, mais Jill je trouve que c'est juste j'aime bien. En fait mon problème avec cette Jill là, déjà cette Jill principalement là, c'est pas la Jill que je connais. Moi la Jill que je connais c'est la Jill avec son béret et son gilet balistique dans et son t-shirt dans... Enfin son espèce de... C'est pas une veste, c'est une espèce de chemise de combat, enfin de veste mais à manches courtes de combat. C'est celle de Resident Evil 1 que je connais, moi c'est la Jill de Resident Evil 1 que je connais, c'est la Jill, celle-ci que je connais, elle, cette Jill-là, je reconnais pas. Jill, franchement, c'est juste, j'aime bien. Je vais rien, c'est pas mec, si tu peux faire la même pièce que moi, il m'envoyait après, je regarderai si tu veux. Mais j'aime bien quand vous commentez en même temps que moi, je tiens à le dire, vous êtes très sympa. J'aime bien qu'on partage nos avis. Jill, franchement, moi, c'est vraiment... j'aime bien, mais sans plus, en fait. Ça aurait été la Jill Resident Evil 1, je pense que j'aurais mis en trop cool, mais voire, j'aurais mis en S. Mais c'est pas le cas. D'ailleurs, je m'attends de ouf. Est-ce qu'il y a un skin de Jill BDSM avec la sortie de chapitre Wesker? Mais je m'y attends tellement. Donc, tant pis, ok. Comment je crois que je vais de l'appeler Zoé, que je vais la voir. C'est ça, c'est pas un lapsus, en vrai. Comment tu t'appelles déjà? Claire. Elle a tellement pas une gueule, elle s'appelle Claire. Claire, en vrai, je l'ai pas. Mais c'est un. C'est, si je devais me prendre un personnage légendaire dans tous les personnages qui existent, c'est-à-dire même les tueurs, franchement, ça serait elle. Ça serait Claire. Claire, en vrai, je la mets en trop cool, mais. Pour moi, le seul défaut, c'est que je l'ai pas, que c'est un skin légendaire et que du coup, ça coûte 15 balles. Faut pas se mentir, ça rentre en compte, ça. Mais alors, franchement, déjà, j'aime beaucoup Claire parce que Resident Evil 2 Remake, j'ai joué, je trouve ça incroyable. Je trouve que j'ai bien aimé, du coup, qu'ils ont pris la Claire de Resident Evil, justement, de Resident Evil 2 Remake, pas de Resident Evil 2 classique. Même si, en vrai, franchement, je vous dis, j'aurais bien aimé que Claire soit une survivante à part. Claire, que ça ne serait que pour son boule. Pas un si bon boule que ça. Hein.
Si on veut faire la tier list des waifus dans des BD, c'est Spirit qui gagne. Mais franchement, Claire, elle est B, quoi. Voilà. Ouais, quoi que. Non, plus A, parce que B, c'est plus Jill, quoi. Non, Jill, en vrai, Jill, si jamais, c'est D. Hein. C'est vraiment, Jill, elle a rien pour elle, quoi. Alors que la Jill, Resident Evil, elle a pas mignonne. Elle a un petit charme. Elle a l'air conne. Je trouve qu'elle a vraiment une tête de meuf conne. Moi, quand je vois la gueule de Jill, Resident Evil 3, je me dis vraiment une meuf, genre, qui va s'énerver pour rien, genre. Ah ouais, t'as dit ça, c'est comme ça qu'on dit, MDR, Sorcière est en deuxième position, la harpie est trop grrr. Je suis un peu d'accord. Après, on met que les filles, évidemment. Du coup, si on met que les filles, est-ce qu'on met aussi les tueurs qui n'ont pas de sexe, comme Nemesis, que Nemesis, il est S+, hein. Je crée un tier spécialement pour Nemesis, hein. Où je mets, du coup, des Démogorgon avec... Oh putain, je fais la blague, mais attendez, faut que je retrouve. Je suis désolé de vous infliger ça, mais j'ai vu ça, j'ai pleuré de rire. Vous me croyez si je vous dis qu'il y a vraiment des gens qui sont excités par le Démogorgon? Genre, vraiment, c'est pas une blague. Hein. J'ai tellement rigolé. Ce que je vous montre est un truc premier degré. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Alors l'image pour la blague, je crois, je suis pas sûr. Mais regardez le message que j'ai entouré en rouge. Osez me dire que tout va bien. Mais ouais, c'est quoi ça? Regardez le message entouré en rouge. Ce message est vraiment premier degré. Hein. Alors, je travaille dans le monde du porno déviant. Je sais reconnaître des messages pour la blague ou non. Ça, c'est pas pour la blague. Voilà. Je veux juste vous partager ça, je suis désolé. Hein. Mais il fallait que je vous montre. Very cute and hot. Eh oui. Lui, on sait où il aurait mis Démogorgon dans sa tier list. Excusez-moi. Pourquoi Démogorgon, je suis sûr qu'il n'a même pas de cul, en fait. Du coup, on parlait de qui? Non, on parlait de tier list, on faisait une tier list... En vrai, franchement, on va faire une tier list vraiment des survivantes les plus bonnes. Je sais pas qui je mets en S. Hein. Bon, Yunjin Lee, bien sûr. Mais Yunjin Lee, en vrai, Yunjin Lee, c'est même pas pour son physique, c'est juste que je trouve que la meuf a juste tellement de classe que t'es obligé de la mettre en S partout, quoi. Non, en vrai, pour de vrai, je sais pas. Moi, sérieusement, c'est un bon point d'ABD, je trouve qu'il y a aucune survivante qui est sexualisée. Kate, peut-être un tout petit peu, mais Kate, Kate, juste un petit peu, peut-être. Parce que c'est un truc, moi, qui me dérange un peu. On fait les tueurs avec le plus de sexe à pile. Best tier list. Putain. Ok. Déjà Sadako je l'enlève, alors pourquoi j'enlève Sadako, hein, pour une raison qui est très simple, c'est que les gens sont tellement cons qu'ils pourraient croire croire que je suis un pédophile alors que pas du tout. Je rappelle que Sadako a juste 37 ans. Voilà. Je rappelle au cas où, hein, qu'il y a encore des débiles ici. Elle a au moins 37 ans. C'est dit 37 ans, mais elle a au moins 37 ans. Donc voilà. Et ensuite, moi, j'enlève tous les tueurs, mec, quoi. Je l'ai juste pour la blague, peut-être, les tueurs qui n'ont pas de sexe. Donc, c'est-à-dire que si je laisse les tueurs qui n'ont pas de sexe, ça veut dire que je laisse Démogorgon, déjà. Pyramided. Et Nemesis. Et Dredge. J'ai pas vu Dredge. Pyramid, ça, c'est sur les femmes. Pas que. Léon!
Alors en vrai, Léon, par contre, je les remercie d'avoir mis Léon Resident Evil 2. Ça, par contre, ça c'est. Autant Jill, je suis pas d'accord, autant Léon, je les remercie, mais alors à 100% quoi. Léon, franchement. Léon, j'ai mis envie de mettre en j'adore, en fait. Moi, le seul problème que j'avais avec Léon. C'est que c'est Resident Evil, j'allais dire, mais c'est un peu ça. Léon, c'est. Il y a un truc qui me dérange chez Léon, je peux pas mettre le doigt dessus. Il y a un truc qui m'empêche de le mettre en j'adore. Je vais le mettre en A du coup, mais. Franchement, Léon, je sais pas. Du coup, je lui mets garçon, fille, les deux. Bah, tu mets juste Charlotte. Pareil, un jour, je ferai une tier list, genre des tueurs les plus sexy pour la blague. Genre, je mettrais Victor quelque part. Et les gens seraient capables de me traiter de pédophile. Parce qu'ils pensent que Victor, c'est un enfant. Or que Victor, c'est pas un enfant. Enfin, je dis ça, mais. Je crois que Charlotte, je suis quasiment sûr qu'elle est pas majeure. Je pense qu'elle a genre 17 ans. J'ai fait un exposé sur Léon en Espagne, j'ai eu deux. Mais pourquoi t'as fait un exposé sur Léon? C'est un cadavre, Victor. Non, il bouge, hein. Victor, c'est un jumeau parasite. Même pas un jumeau parasite, parce qu'un jumeau parasite, c'est censé ne pas bouger. Il y a trois sortes de jumeaux aussi à moi, et alors il y a le parasite et les autres. Alors les autres, j'oublie leur nom. Il y a une catégorie qui fait que les deux sont connectés, et il y a une catégorie qui fait que c'est deux entités à part. Il y a une des deux qu'il faut pas séparer. Tu aussi, Léon, d'accord. Putain, mec, t'as eu deux avec Léon. Tu fais trop de choses intéressantes à raconter avec Léon. Bon, faut pas parler de la partie Resident Evil 4, évidemment, parce que la partie Resident Evil 4, c'est juste un nanar, mais. Et là, tu sais pas 2 que tu devrais avoir, c'est 0, mais. Je parle juste de Resident Evil 2, quoi. Parce que. Je cours. Chris, en vrai, franchement, Chris, je fais pas me faire des amis. Moi, déjà, Chris, dans Resident Evil 5, il me saoule. Voilà, je l'ai dit. Et ensuite, Chris, moi, même dans Resident Evil 1, c'est le perso que je voulais pas prendre parce que je trouve tellement, mais genre. Osef, Chris, parce que même dans le film Resident Evil Raccoon City, que j'aime beaucoup, enfin, que j'aime bien. Je sais pas non plus énormément, mais j'aime bien. Bah, Chris, je trouvais Osef, hein. Non, c'est de base le perso, en fait, le perso est trouvé pour être genre l'américain moyen banal en fait. Du coup, moi, Chris, en vrai, je le mettrais en. Chris, en vrai, moi, je vais pas mettre Osef parce qu'il a quand même une allure, Chris, pas déconner. Mais je le mettrais en j'aime bien. Pas non plus, voilà. Le Chris Resident Evil 5, c'est une meuf, la première fois qu'il m'en a parlé. J'étais mort de rire quand on en a parlé. Elle m'a dit quoi? En gros, elle m'a dit que le mec c'était vraiment juste une énorme parodie. Il avait genre. Le mec avait beaucoup trop de muscles pour que ce soit vraiment réel, quoi. C'était genre en mode. T'as mis Steve en hein, C. Oui, tu l'aurais mis où, toi? Salut, ça fait 1000 ans, sûrement. Le roi des monts. Non, on fait moins que ça, le roi des monts. Le roi des monts. D'ailleurs, tu me rappelles, je voulais vous dire. Il a fallu avoir ça aujourd'hui, mais j'ai la flemme de vous le faire en live. Il y a un event Dragon Ball sur Fortnite. Il y a plein de trucs à débloquer gratuitement, dont un Shenron montable en guise de parapluie. Voilà, en guise de planeur. C'est le best avec son bon petit boule. Alors, tu sauras ce que j'ai dit sur Steve, mon gars. J'ai passé mes vacances en campagne zéro co. Le bonheur. Alors, le bonheur, je sais pas, mais ça doit faire du bien, n'empêche, je trouve. J'imagine. Hein. Michaela. En vrai, moi, vite fait, je reviens sur un truc. La blague, là, qu'on disait, une tieriste des survivantes les plus bonnes. Je pourrais pas en faire une parce que pour moi, mon avis, ils vont tous aller en OZEF en fait. Mais le truc, c'est que j'aurais bien aimé voir celle de plein de gens, mais genre d'une dizaine, voire une trentaine de personnes. Juste pour me faire l'idée, c'est qui que les gens trouvent. Sexy dans le jeu, que ça me passe rire un peu. Moi, c'était toute l'année. C'est faux. Je suis en train de nous parler actuellement. Michaela, franchement, moi, j'aime bien le côté sorcière et tout. Le problème, c'est que je vois trop de Michaela, en fait. Et ça me saoule un peu. Du coup, je la mettrais en... En fait, Michael, pour moi, c'est limite Osef. Après, Michael, j'aime bien le côté sorcière, j'aime bien son skin... J'adore son skin Halloween, je trouve vraiment magnifique. Mais c'est tout, son skin de base, je suis pas trop fan. Le côté sorcière, je trouve...
Je trouve bien pour le coup, bien exploité en plus, c'est vraiment genre son design et tout, le truc, ses perks et tout, machin et tout, je trouve ça vraiment cool. Après, j'arrive pas à savoir si ils ont vraiment assumé le côté magie, parce que bon, DBD, on sait maintenant que voilà, il y a du surnaturel, hein, voilà, on peut me dire le contraire. Est-ce qu'ils ont vraiment assumé le côté magie ou alors dans son lore, c'est juste que genre Ali attire les tarots, a lu l'horoscope des gens et regarde les lignes dans la main, ou alors fait vraiment des trucs, genre elle enchante vraiment des trucs, mais genre à basse échelle quoi. Ça, je sais pas en fait. Non, le manque de couche, je suis à la cambrousse. Ah, le manque de couche, je suis bien d'accord. Mais Michaela, moi j'aime bien, franchement. Il manque pas beaucoup à Michaela hein, pour que je la kiffe plus. Hein. Moi j'aimerais bien, moi j'aimerais vraiment qu'il nous sorte un vrai personnage survivant, mais vraiment surnaturel. Parce que pour l'instant, les seuls personnages surnaturels, entre grosses guillemets, qu'on a, en survivant, c'est Lisa Garland, elle, et Yoichi. Yoichi, c'est zéro exploité en jeu. Il y a rien qui te fait dire ça. Parce que je rappelle que Yoichi a le pouvoir de pouvoir communiquer avec les gens morts. Voilà, en gros. Voilà. Elle, ben, c'est une sorcière, et... elle, elle est même plus humaine. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, ils nous sortent un suivant vraiment surnaturel. Genre, moi, j'ai même émis l'idée, est-ce que ça serait pas marrant, ça j'en ai parlé en live, genre, est-ce que ça serait pas marrant qu'un jour, ils nous sortent pas, genre, un peu la carte Uno à l'envers. Genre, qu'ils nous sortent un survivant tueur, mais le tueur ressemble à un survivant. Et que le survivant ressemble au tueur. Dire ça annule. Non, en vrai, si t'exploites bien le concept, peut vraiment être cool. Hein. Au contraire, ça nous fait un mec, genre le cliché du type trop innocent pour être innocent, mais qu'en fait, t'as un gros psychopathe complètement sadique, et qu'à côté, tu nous prends un mec ou une meuf, mais choisi par erreur par l'entité, genre qui a vraiment par erreur, quoi. Mais genre, c'est-à-dire qu'une peau livide de cadavre, des yeux, mais genre noirs et crus comme la plupart des tueurs dans des BD, genre comme par exemple, je sais pas moi, bah, les tueurs que vous voyez en dessous là, la liste. Et qui a des compétences, genre un peu liées à l'entité, quoi. Mais c'est un survivant. Ce serait pas marrant, en vrai. Et qu'à côté, t'as vraiment un tueur, genre bien sur lui, propre et tout, mais genre en mode gros psychopathe, quoi. Ouais, j'aimerais bien l'idée. En vrai, l'idée me ferait trop kiffer. Pareil, j'avais aussi émis l'idée, ce serait marrant en fait d'avoir un... Ça c'est pas un peu parce que je rappelle que j'écris beaucoup de... Je m'amuse beaucoup à essayer d'inventer des tueurs et des fake tueurs et des fake survivants avec des fake compétences et tout. Pour me dire en concept, ça rendrait comment des BLS, mais du coup j'écris. Et après je relis, je me dis est-ce que ça pourrait être bien ou pas. Souvent c'est pas terrible, souvent c'est pas équilibré, je me rends compte qu'il manque des trucs et tout. C'est vrai que je me rends compte d'ailleurs que c'est dur à faire en vrai un tueur des BD et des compétences. Souvent je me base sur, parce que j'écris beaucoup de scénarios de films d'horreur, j'écris beaucoup de petites histoires d'horreur et tout. Et du coup je me base sur souvent des histoires, des scénarios que j'écris et tout. Et j'avais vraiment, je m'étais vraiment basé sur un truc genre de, ça serait marrant un survivant, mais qui soit une espèce de espèce d'androïde, mais androïde qui crée en fait pour se faire buter. Genre un peu un crash test, un truc crash test mais intelligent. Mais qui fait pour se faire défoncer en fait. Genre qui perd pas du sang rouge, mais qui perd du sang noir ou bleu, je sais pas, genre de l'huile un peu tout, enfin, ça pourrait être cool en vrai. Bah comme les gens, tu veux dire, exactement comme les gens. Sauf que là, le tueur, plus Trickster j'allais dire en fait. Parce que le Trickster il est vraiment propre sur lui, hein. Trickster il a l'air vraiment, limite normal quoi. Juste qu'il est complètement couvert de sang et tout. Mais communiquer avec les morts, c'est cheaté comme ça, les morts, il te dit que tu es à tel endroit. Oh, mais dans le jeu, c'est pas exploité du tout en fait. Dans le jeu, c'est tellement pas exploité que sa seule compétence surnaturelle, c'est qu'en gros, il peut ensorceler un totem pour que les gens qui sont dans son halo courent plus vite. Hein? What the fuck? Ou que les 4 se ventrent à couture. Ça pourrait être marrant en vrai. Mais en vrai, j'ai déjà pensé, ça pourrait être vraiment marrant. Le problème, c'est que DBD a pas l'air d'avoir envie de sortir de d'autres modes en fait de jeu. C'est trop dommage. Parce que ça manque d'autres modes de jeu. Le mode jeu de base, il est vraiment chiant en fait. Tout le temps en fait, c'était vite lourd en fait. Heureusement qu'on peut changer en tueur et suivant quoi. Et heureusement que je fais ça en live aussi. Du coup, faire ça en live, ça me divertit plus. Non, en vrai, je trouve que ça manque en vrai des concepts comme ça. Moi je suis content quand ils sortent des tueurs genre banals, genre pas surnaturels du tout, genre style Légion, style
Style. J'essaie de trouver un vraiment, vraiment terre à terre, genre Ghostface ou même. Le Trickster. Ou là même la chasseresse par exemple, qui je sais plus où aller. Elle est là. Mais en même temps, je suis content aussi quand on sort des survivants un peu surnaturels, un peu bizarres. Il est mort, c'est des survivants pour les faire accès. Non, c'est faux. Mais à la base, c'est un délire comme quoi Sadako en veut à Yoichi parce que Yoichi, lui, il a les mêmes pouvoirs que Sadako, en beaucoup moins puissant, bien sûr. Et du coup, lui, il a pas été, lui, il a pas été tué, quoi. Il a pas été puni pour ça, alors qu'elle, si. Sadako, je rappelle que dans les films, elle a été enfermée dans un puits pendant 27 ans, c'est long, 27 ans, parce que elle avait des pouvoirs trop puissants. S'ils mettent genre un survivant quand il meurt, ils peuvent mettre une enceinte, tu vois. Moi, j'ai vraiment pensé à un délire. Moi, j'ai vraiment imaginé un délire. C'est le dernier truc que j'écris. J'ai vraiment imaginé un délire d'un survivant qui, en fait, qui a comme compétence que dès qu'il meurt, il devient un fantôme. Mais en échange de ça, pendant tout le long de la partie, genre, c'est une merde, il sert quasiment rien. Genre, il est ralenti sur tout ce qu'il fait et tout, mais dès qu'il meurt, il devient un fantôme. Et genre, il peut indiquer genre. Genre, il peut genre. Comment dire? Il peut révéler en fait les palettes, les loupes aux autres survivants. Et à certains moments, il peut me révéler la place du tueur. Quand il est pas en train de, quand il est. Genre, quand il est pas dans. Quand il est loin des autres survivants, quoi. Genre, tu peux faire du bruit, par exemple. Genre, tu peux faire claquer des casiers pour attirer l'attention du tueur. J'ai pas un truc à ça. Ripley, ça t'a correcté si tu es triste. Mais t'es surtout très très vénère en fait. Genre, si tu es dans la game tous les jours, je passe au long, alors il va crever, il va maudire le tueur, nerf la vitesse des tueurs. Faut pas nerf la vitesse des tueurs, attendez déjà qu'il y a des survivants, t'as l'impression qu'ils vont plus vite que nous. S'il s'il peut réparer les gènes. Non, mais il peut pas réparer des gènes, mec, mais genre, il peut par exemple, il peut indiquer les loops, il peut indiquer les. Genre, il peut ouvrir les coffres à la place d'autres gens, il peut faire claquer les casiers, il peut. Genre il peut éteindre des totems genre il peut rendre inactif un certain temps des totems ensorcelés par exemple, genre maudits. Genre pendant 30 secondes ton totem ne fait plus effet, je sais pas un exemple comme ça. Le jeu c'est mature carrément ouais. C'est du 4 contre 1 en fait. J'ai écrit un script d'horreur. C'est le truc le plus barré que j'ai écrit. Mais moi, je trouve que c'est complètement con, mais ça me fait trop marrer. Où le principe, c'est que le c'est dans tous les films d'horreur, il y a ce qu'on appelle. On appelle ça une final girl, parce que souvent, c'est une fille ou un mec, tu vois, genre un survivant final qui arrive à sortir à la fin. Bah, le truc, c'est que c'est le premier qui se fait tuer, sauf que, en fait, il arrive à revenir sous forme de fantôme. Et du coup, sous forme de fantôme, il doit essayer de prévenir les autres que le tueur veut les tuer. Mais c'est complètement con. Et j'adore. Mais le jeu est payant. Oui, 30 secondes, c'est beaucoup trop long. Que je donne des jours. Que chaque malédiction qui peut utiliser doit être une kappa. Le jeu c'est payant, mais il coûte 20 balles et tout. Alors, tous les survivants de non-licence sont débloquables avec des points. C'est-à-dire que si tu veux jouer Léon S. Kennedy, bah faut avoir payé mon gars. Bah les survivants, ont des compétences. Les tueurs ont des pouvoirs en fait. Et des compétences. Les tueurs ont des objets et des compétences. En fait, chaque survivant a ses compétences personnelles. Mais après, les compétences personnelles, tu peux les débloquer pour tout le monde en fait. Si tu fermes le perso. Et du coup, tu peux vraiment faire des. Genre, par exemple, tu peux vraiment te faire un build genre sorcellerie par exemple. C'est complètement con, mais tu peux. C'est 7 € le survivant, c'est totalement faux, c'est 5 € le survivant. Le personnage tout court, survivant au tueur. Il faut savoir que à tous les anniversaires, ils réduisent les prix de moitié et que à tous les à Noël, il aussi le père de Noël il aussi il réduit les prix de ouf.
Genre moi j'ai eu Leatherface pour 2€ à Noël. Enfin la période de Noël. Je sais pas mec, t'as vu que ça coûtait 7€. 7€ c'est le prix d'un DLC mec. C'est-à-dire que pour 7€ t'as le droit à un survivant, un tueur, voire même... Non, parce que les DLC avec 3 personnages c'est 11€. Mais t'as le droit à... Les licenciés. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est crossplay, c'est totalement crossplay. On joue souvent dur avec des gens qui sont sur console. Par contre, c'est pas cross-progression. Donc si tu commences à jouer par exemple sur PlayStation, bah tu pourras pas reprendre ta partie sur PC. Mais ils en parlent, ça fait presque 2 ans maintenant qu'ils en parlent de la cross-progression, mais c'est toujours pas là, donc faut pas s'y attendre. Jonah Vasquez, je m'en fous en fait. Jonah Vasquez, je trouve que ça, on dirait un personnage qui viendrait de... On dirait une parodie de South Park. Vous savez, les mecs là, les PC, ça fait trop... C'est ça. Moi, quand je vois Jonah Vasquez, je pense au PC dans South Park en fait. Ça fait trop rire. Je sais pas pourquoi ce personnage existe. Après, c'est cool, hein. Moi j'aime bien les personnages un peu mexicains et tout, genre latino et tout, mais alors Jonah Vasquez, c'est... Après, en fait, Jonah Vasquez, il a tout pour que je l'aime, sauf que juste son design me rébute trop, en fait. Le problème de Jonah Vasquez... Déjà, Jonah Vasquez, c'est un mec de la CIA, donc c'est trop cool. C'est un mathématicien, genre un génie des mathématiques. Et c'est un mexicain. Sauf que, il a un design de merde. Oui, pour mes DLC sur console, ils sont presque 50€. Alors sur mobile, attention parce que sur téléphone, c'est pas le même jeu. Genre les gens sur téléphone, parce que je veux quelques autres gens sur téléphone. Parce que c'est pas... En fait quand je dis que c'est pas le même jeu, c'est peut-être le jeu a une mise à jour différente, a des mécaniques légèrement différentes. Genre par exemple sur téléphone, le champ de terreur, c'est un truc littéralement calculable en fait. Parce que sur le champ de terreur sur PC, enfin console... C'est à l'oreille en fait, tu dois entendre par rapport à l'oreille à la vitesse que bat ton cœur. Parce que en gros, dans le jeu, plus ton cœur bat vite, plus le tueur est proche de toi. Sur téléphone, t'as littéralement une icône en fait sur l'écran qui t'indique en fait, t'as une espèce de décolocalisation qui devient de plus en plus rapide à la vitesse que le tueur se rapproche. Par exemple, c'est con mais c'est beaucoup plus pratique en fait. Moi, Jonah Vasquez, je suis désolé, je le mets vraiment. Limite, j'aime pas en fait. Hein. Je m'en fous de ce mec. Mais comme Ace en fait, genre. Je trouve pas l'intérêt. Bon, Civil Bennett, donc les mobiles ne peuvent pas. Non, c'est la seule exception. Parce que le jeu a des trucs vraiment très légèrement différents, mais c'est différent quoi. Mais oui, sur mobile, le jeu est gratuit. Sybil Bennett. En vrai, Sybil Bennett, je crois que c'est la première personne du Silent Hill que je ne vais pas mettre en S. J'hésite. Pensez à Jim Carrey. Alors, Jim Carrey Clodo. T'as pas pensé de console, peut-être qu'il a pas 20€ à mettre dans un jeu. Par contre, DVD, on ne dit pas assez, mais c'est un jeu qui est assez dur, hein, qui est assez compliqué, et où t'es obligé de jouer avec des gens dès le début. Voilà, je précise au cas où. Donc, quand que tu sois tueur ou survivant, faut pas se mettre la pression. Vas-y à ton rythme, mec. Voilà, il a pas l'argent, en fait, c'est tout. C'est ce que je disais. Sybil Bennett, en fait, Sybil Bennett, j'aime beaucoup ce personnage, je trouve qu'elle a vraiment la... En vrai, je vais la mettre en S. En fait, je trouve qu'elle a vraiment la casse en jeu, le fait qu'elle soit... Pareil, un personnage un peu policier et tout, qu'elle ait vraiment l'air assurée en jeu, qui ressemble vraiment à Sybil Bennett, pour le coup, ressemble vraiment à Sybil Bennett. Moi, j'ai commencé solo, mais tout le monde a commencé... Mais c'est bien de commencer solo, en fait, faut commencer solo DBD. En fait, DBD, pour moi, le meilleur moyen de commencer DBD, c'est de jouer un tueur ou un survivant que tu as envie de jouer, que tu as envie de qui te fait envie, qui te plaît. Et de jouer solo, dans ton coin, comme ça à toi. Mais à côté d'avoir des gens qui donnent des conseils. Putain, je sais pas si t'as vu, mec. Je vois que toi, genre, dans mes souvenirs, t'es plutôt bon. Hein. Sybil Bennett, franchement, non, je trouve qu'elle a vraiment une allure, elle a vraiment une classe. Hein. D'ailleurs, il y avait des rumeurs, enfin des fausses rumeurs, ça s'avérait faux en fait à la fin. Comme quoi, Sybil Bennett allait avoir un autre skin en mode full motard, policier, en full cuir, quoi. Avec un casque de moto et tout. J'avoue que j'avais un peu la bave aux lèvres. Arrête, Sybil Bennett, encore une fois, c'est surtout Silent Hill 1. C'est d'ailleurs la meilleure fin de Silent Hill 1, c'est avec Sybil Bennett.
D'ailleurs, je tiens à dire à DBD, il n'est pas trop tard pour faire un chapitre 2 Silent Hill. Hein. Sachez-le, avec Harry Mason et Missionary. Hein. Genre The Missionary. James Sunderland, bon, James Sunderland, c'est de la triche, c'est S. Mais pareil, en fait, il y aurait un tier S plus S God, j'aurais mis dedans, en fait. Sur Shin Jess, c'est quoi? Je ne sais pas. Normalement, la prochaine qui est prévue, c'est la tier list. Pokémon Unite, les Pokémon dans Pokémon Unite. Mais c'est en septembre, donc peut-être qu'il y en aura sûrement une entre temps. Parce que j'ai dit que j'essaierais d'en faire une par semaine de tier list. Au moins deux par mois. Voilà. Faut que je trouve des idées en fait. Pâtisserie. Non. Parce que je bouffe jamais de pâtisserie. Je suis pas un grand fan de pâtisserie du tout. Non, James Sunderland, je vais quand même expliquer pourquoi je mets en S plus. En S, pardon. Bon, déjà, parce que c'est James Sunderland, putain de merde. Silent Hill 2, c'est un des meilleurs jeux d'horreur de tous les temps. Ces animations en jeu sont incroyables. Genre, c'est con, hein, mais genre, le peu que tu l'entends, genre, quand il, le peu que tu entends James, quand il a mal, ce que vous savez, les bruits de douleur, quand il se prend un coup, quand il crie, quand il se fait accrocher sur un crochet, c'est vraiment la voix de James. T'as vraiment l'impression que c'est James, quoi. C'est James putain de Sunderland. C'est tellement cosmique d'avoir James Sunderland dans DBD. Vous êtes conscient que là, dans tous les personnages qu'on a, vraiment. Si tu comptes pas les personnages de Resident Evil, James Sunderland, c'est legit le plus dangereux de tous. Alors là, je spoil, hein. Je spoil de ouf. Silent Hill 2, préparez-vous. Genre, James Sunderland, il mériterait plus d'être un tueur que Pyramid Head. Hein. James Sunderland a plus tué de gens que Pig, déjà. Il a plus tué de gens que Légion, aussi. Il a plus tué de gens que Spirit. C'est vraiment genre. Ah, quoique Pig non. Pig non. Pig a tué plus de gens, j'ai rien dit. Mais il a tué plus de gens que Spirit, il a tué plus de gens que Légion, enfin, tué autant que Légion. Non, il a tué plus que Légion, non, j'ai rien dit. Il a tué plus de gens que Légion, j'ai rien dit. Non, mais alors James, c'est un psychopathe en fait. Hein. En fait, si vous savez pas le retournement de situation de fin de Silent Hill 2, en fait, dans Silent Hill 2, vous devez aller retrouver votre femme qui vous envoie une lettre, sauf que votre femme est morte d'une maladie. Sauf qu'en fait, la vérité, et James l'avait oublié parce que James est un psychopathe et vraiment fou, pas bien dans sa tête, c'est vraiment ça, et la fin, c'est qu'en fait, c'est lui qui a tué sa femme. Voilà. Et sauf qu'intérieurement, il culpabilise, mais c'est plus pourquoi. Et du coup, en fait, c'est pour ça que Pyramide existe, c'est que Pyramide arrive en fait pour juger James, pour le châtier en fait, ce qu'il a fait du mal. Il a tué quelqu'un. En fait, Pyramide, c'est l'incarnation des remords de la culpabilité de James. Voilà. Et d'ailleurs, la fin officielle Silent Hill 2, c'est la fin où James se suicide. Se jette dans le lac avec sa voiture. C'est ça la vraie fin de Silent Hill 2. C'est ça la fin officielle canon. C'est terrible. Le jeu Silent Hill 2 est tellement horrible, en fait. Alors, alcool. Je refuse de faire une tirée alcool. Ou même drogue. En vrai, tu vois James dans l'eau, tu dis c'est tous des gens sympas qui essaient de s'entraider. James, c'est un gros taré. Mais c'est pas de sa faute en fait, c'est ça que... James, tu peux quand même l'apprécier, c'est pas de ta faute mec. Parce qu'il y a une raison d'avoir buté sa femme en fait. Il a vraiment une raison. Il a tué sa femme parce que sa femme était atteinte d'une maladie. Qu'il a bouffé, qui l'empêchait de vivre correctement, qui l'a rendu mais... C'est dit dans le jeu, mais dégueulasse en fait, littéralement physiquement dégueulasse. Sa femme arrivait tellement plus... Il avait tellement du mal à voir sa femme souffrir tout le temps et ne pas vivre, qu'il a fini par la tuer. Pour la libérer en fait. C'est un truc de taré. Tiens, c'est des BZ, bon, pourquoi pas. Ça se voit pas, mais j'ai vraiment une petite larme là qui coule. Genre, c'est pour de vrai, je vous jure. Faut que je le dise à haute voix, mais sans essayer de pleurer. Mais j'ai pas vu Silent Hill. C'est une série, un jeu vidéo, c'est quoi? Pardon, je vais le redire. Mais j'ai pas vu Silent Hill. C'est une série,
Un jeu vidéo, c'est quoi? Alors, je suis quelqu'un de pas condescendant, je suis quelqu'un de plutôt sympa. Qui, quand les gens connaissent pas, je suis ok pour leur montrer, leur apprendre. Mec, je te crois pas. Je te crois juste pas. En fait, c'est que je te crois pas. En fait, là, je sais que tu te fous de ma gueule. Moi-même, j'ai pas vu. Non, mais les mecs, tout le monde sait. La planète entière sait que Silent Hill, c'est un putain de jeu. Vous rendez compte que mon neveu qui a 8 ans sait que Silent Hill, c'est un jeu. Le roi des monts, encore je peux le croire parce qu'il a pas parlé de Resident Evil. Tu ne peux pas connaître Silent Hill. Tu peux pas ne pas connaître Silent Hill si tu connais Resident Evil. Déjà c'est pas possible, je te crois pas. Déjà je te crois pas. Mais pour de vrai, juste c'est pas mauvais sens, juste je ne te crois pas. Ensuite, là où Esteban, tu as encore moins d'excuses, et je sais que tu mens, c'est qu'on a fait des lives Silent Hill et je sais que t'es passé dans des lives. J'aime pas dire ce genre d'infos, mais je sais quand vous passez, je sais quand vous passez pas, je peux le savoir. Silent Hill, c'est un putain de jeu. Silent Hill, c'est le jeu qui faisait trembler des genoux Resident Evil. Je bug, n'entends plus rien depuis une minute, c'est faux, tu mens. Silent Hill, c'est vraiment mais le jeu, putain, mais qui a fait flipper, Resident Evil. Vous savez qu'il y a une raison à laquelle pourquoi on a eu Silent Hill avant Resident Evil sur DBD1. Genre, j'ai une vraie question, qui a déjà eu peur devant Resident Evil 4? Personne. Peut-être au début, si tu veux, t'étais très jeune, peut-être, mais c'était très jeune, ça compte pas. Ta voix est le live. Je teste. Ah ouais, parle au Swan. Non, y'a aucun décalage. Contrôle R, les mecs. Du coup, c'est quoi Silent Hill? Oh ta gueule. Oh putain, je suis sûr, j'ai vraiment fait une banne, mec. C'est vraiment. Non, je me suis retenu. Non, mais je sais. En fait, je sais qu'Esteban il trône là, parce que je sais qu'Esteban il troll, c'est pas possible. Je suis mon gros fan de merde, je suis désolé, hein, mais. Je reviens pour raconter mon bug, vas-y. Je troll de ouf, Esteban, arrête. Genre, c'est ultra méga flagrant, quoi. Je sais que je suis un gros fan de Silent Hill, mais là, c'est vraiment juste autre chose, quoi. Tu trolls de ouf, mec. Non, mais Silent Hill, c'est... Putain. Parce qu'une fois, on m'a sorti... Et ça, j'y ai cru, hein, parce que c'est possible. On m'a dit, je savais... On m'a dit, je ne savais pas que... Je croyais que Silent Hill, c'était qu'un film, je ne savais pas, à la base, c'était un jeu. Genre, la personne ne savait pas que, genre... Avant d'être un jeu, c'était... C'est pas avant d'être un film, c'était un jeu. Je crois que c'était l'inverse. Bug, tu disais quoi? Je disais que j'allais te ban. Silent Hill ou Silent Hill? Silent Hill, H-I-L-L, comme les collines scientifiques. Et voilà, quoi. Non mais les mecs, Esteban, arrête. Je te jure, personne te croit, Esteban, en fait. Là, t'es juste en train de troll, en fait. Bon, j'ai pas... Non mais tu vois, il fait... Non mais il fait exprès, le roi des monts. En fait, j'explique, Esteban c'est un gros troll. Et il arrive à faire croire, en fait, j'explique, ça fait un an qu'il s'est pas fait ban de ma chaîne. Parce que là, à chaque fois, il a trouvé des excuses, et vu que je suis con, je le laisse. Moi, non, je te jure, c'est vrai, mais en fait, personne ne croit. En fait, j'explique, j'ai deux de mes modos qui m'ont dit que si certains AKB, ils le banneraient. En fait, j'explique. Voilà, et à chaque fois, ils ont des excuses de merde pour dire... des fois, il ose même dire que c'est pas lui qui l'a fait. Genre, plusieurs mois après. Putain. C'est bon. Bref. Adam Francis... Je m'en bats les couilles, Adam Francis. C'est vraiment, genre, lore du personnage, c'est vraiment, genre... genre, bas les couillisme. C'est vraiment de la oséfrie, mais genre, je sais pas comment vous dire à quel point. Je m'en fous complètement. Un truc qui était marrant, c'est que ces combattants, c'était un peu sympa. Tu disais quoi? Je disais que j'allais te ban.
Voilà, en gros, Adam Francis, j'ai rien à raconter de spécial dessus, en fait, c'est vraiment, genre, juste Osef. Hein. Même quand c'est sorti, franchement, c'était en mode, on s'en fout, quoi. Genre, c'est pas méchant, mais on s'en fout. Ses compétences, c'était quoi? Ah, il y a, quoi qu'il avait, le truc, là, pour sortir tout seul du crochet. Il y a une compétence pour sortir tout seul, parce que tu trolls, mec, tu trolls de ouf et tout le monde t'a grillé. Mais là, vraiment, c'est du niveau, là, c'est du niveau, mec... Voilà, Adam Francis, c'est vraiment genre. C'est. Si tu le dis. Putain. Franchement, je reste zen, hein, je vous jure. Je vous jure, je reste zen. Le si tu le dis. Genre, ouais, tu dis de la merde, ta gueule. Ça, si tu le dis, hein, c'est. Non, Adam Francis, j'ai rien de spécial à dire. Yoichi. Yoichi, moi j'aime beaucoup Yoichi. Mais je le mettrai pas en S. Je le mettrai en A en fait. J'aime beaucoup son design, j'aime beaucoup tout ça. Mais en fait, il y a un truc qui me dérange. Comme pour Léon. Il y a un truc qui me dérange, Yoichi. Déjà pour moi, c'est con, ça n'a rien à voir avec personne aujourd'hui même, mais au niveau des compétences, je trouve qu'on n'a pas assez du côté spirituel du personnage. Genre le mec a des pouvoirs mystérieux, quoi, mystiques. Ils sont pas de ce côté-là. Alors qu'ils l'ont fait pour Mikaela. Mikaela a vraiment genre full compétence sorcellerie, quoi. Lui, non, pas du tout, hein. Ils sont vraiment pas dans ce sens-là, c'est vraiment dommage, quoi. Parce que ses compétences, franchement, ses compétences n'ont de 1 rien à voir avec la saga Ring, et de 2 rien à voir avec le personnage, quoi. C'est ça qui est ouf, en fait. Alors, tu pourrais dire, bon, ils vont jouer sur le côté biologiste marin, bah non, pas du tout. Bon, d'accord, ils vont jouer sur le côté spiritisme, ils communiquent avec les morts, non, pas du tout. Je t'envoie un screen sur Discord, mais vas-y, banne-moi, ça commence à me saouler qu'on m'accuse de ce que je n'ai pas fait. Donc, je te laisse. Oh putain. Mec, si tu t'en fous, pourquoi tu m'envoies un screen sur Discord déjà de 1? Et de 2, tu fais un truc qui est insupportable. C'est les gens qui font « Non mais de toute façon, machin, moi je te laisse !» Ne lance pas un débat si tu te casses dans le même message. C'est comme si je disais « Vous êtes tous des cons, bon à plus !» Oui, ce genre de message, ça ne sert à rien. Genre, non, encore mieux, c'est... Tu vas faire un débat sur, je sais pas moi, les croissants. Genre les croissants, est-ce que c'est bon ou pas? Et t'as un mec qui va te répondre, moi je trouve, de toute façon, moi je trouve que vous avez tous tort, les croissants c'est dégueulasse, bon à plus. Dans le même message. Tu laisses même pas les gens entendre répondre, tu trolls. Le roi des démons, vraiment ton avis. Je l'avis de tout le monde, hein. Je sais que je suis le seul connard à penser que c'est pas un troller, mais c'est pas grave, j'assume. T'es du troll ou pas pour toi? Honnêtement. Tu peux ne pas répondre que jusqu'où ou non, tu peux développer. Je comprendrai. Là, c'est que Esteban, je dis, en plus, au début de là, je dis, je suis content, Esteban, c'est un de mes viewers préférés. Hein. Et là, il me fait ça. En fait, j'ai l'impression que c'est dès que je dis un truc sympa sur Esteban, ou dès que je fais un truc sympa sur Esteban, qui me fait une couille. Peut-être qu'il faut juste que je sois con avec lui. Hein. De toute façon, Esteban, c'est un fait. Hein. Il veut juste que je sois con avec lui. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'il demande là depuis maintenant quelques mois. Non, depuis, j'ai envie de dire, un ou deux mois. Une tierce de ses conneries. Voilà, il veut qu'on glorifie ses conneries. Il veut qu'on. Il veut qu'on voit qu'il est que c'est un con, quoi. Enfin, c'est la vérité. C'est ça qu'il veut. Adi Kaur. En vrai, j'aime beaucoup Adi. Adi, je la mets en S pour le coup. Adi, je trouve qu'elle a vraiment, mais vraiment, genre, vraiment une gueule souvent atypique. Déjà, Adi, bon, ça c'était très subjectif, hein, peut-être t'es d'accord avec moi. C'est pas une suivante très belle, moi je pense qu'il le fait exprès. Mais bien sûr, mec, il le fait exprès, il le fait carrément exprès, mec. Comme par hasard. Mais comme par hasard.
il bug, mais dès que je parle un truc qui me tient à cœur. Et en plus, je sais qu'il dit de la merde. Donc, c'est pas un truc de gros fan qui dit non, tu peux pas qu'elle t'a dit, t'as oublié de bien qu'il y a, je me doute qu'il y a des gens qui connaissent pas Silent Hill, hein, je me doute complètement, mais le truc c'est qu'il connaît Silent Hill. Je me rappelle très bien, je suis pas un débile, de l'avoir vu se connecter sur un des lives Silent Hill. Je me rappelle très bien de qui était sur des lives DBD où je parlais de Silent Hill en tant que jeu, que je disais que je l'avais fait en let's play. Je sais très bien qu'Esteban est déjà sur la chaîne YouTube où il y a toutes les VOD, et donc il a très probablement, ou peut-être pas, qu'il n'est pas tombé dessus, je sais pas, sur un let's play Silent Hill, surtout à l'époque. Sans mytho, quand j'avais 10 ans, je faisais la même chose pour faire chier un streamer. T'inquiète, je vais plus. Bah, mais moi, les gars, je vous avoue un truc. Moi, je vais vous dire un truc très honnête. Hein. Jusqu'à 18 ans, j'étais un gros con. Hein. Moi, mes 18 ans, j'étais un gros troll, j'étais un gros connard. Hein. Jusqu'à 18 ans, j'étais le plus gros connard de tous les temps. Hein. Mais vraiment, je me dis même pas à quel point j'étais une merde. Hein. Mais j'ai changé en fait, j'ai évolué. Maintenant, je suis un connard parce que vous voyez, là, je suis en train de m'énerver comme un connard. Là, je suis un comportement de connard. Mais beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Moi aussi, j'ai trollé. Moi aussi, j'étais cancer. Moi aussi, j'ai appelé des numéros comme un fils de pute à des gens qui avaient laissé genre des. Genre, je prenais les numéros sur des avis de recherche, genre j'ai perdu mon chat. J'ai appelé les gens pour me dire que j'avais bouffé leur chat. Enfin, je suis un gros connard, je sais. J'avais 14 ans. On a tous été cons, on a tous fait des trucs complètement cons. Mais Esteban, en fait, il abuse. Esteban, en fait, j'aurais dû le ban. Là, Esteban, je devrais le ban. Là, tout en moi me dit que je dois le ban. Mais là, pour de vrai, là, je vous jure, je me promets, là, c'est une promesse que je vous fais à tout le monde. Esteban, je vous donne une chance. Une chance! Et il faut que la prochaine fois, il vienne s'excuser. La prochaine fois qu'il vient, il doit s'excuser. Mais genre, pour de vrai, je lui demanderai. Premièrement. Et de deux, il refait une connerie. Je le dégage. Vous savez ce qui m'est sorti un jour, Esteban, je lui ai dit, mais mec, c'est un jour, je vais te bannir. Il m'a dit, c'est pas grave, j'ai un autre compte. Est-ce que ça, c'est une réponse d'un mec normal? Genre, tu dis à quelqu'un, genre, quelqu'un qui te harcèle, je vais verrouiller ma porte, plus que tu rentres chez moi. Le mec, il te répond, bah, pas grave, de toute façon, j'ai aussi les clés de chez toi. Pour moi, c'est du même niveau. C'est vraiment du même niveau. Ça faut juste assumer complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi, le roi démon. C'est totalement ça. Faut assumer. Du coup, il a niqué la fin de mon truc. En gros, j'aime bien Dicor. Parce qu'elle a une gueule un peu atypique. En plus, Esteban, la dernière fois que je jouais avec lui sur DB, c'est trop cool, encore une fois. Parce que, en fait, Esteban, faut savoir un truc, c'est que c'est un énorme troll. Tu sais ce qu'il a fait, le roi démon. C'est un énorme troll, mais de l'enfer. Genre, vous avez jamais vu ça. Mais jamais vu ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand Esteban, moi, je lui parle en privé sur Discord. Ou quand on fait des vocales avec lui sur DBD. Bah, en fait, il est trop cool, en fait, Esteban. C'est vraiment une crème, quoi. Mais là, il y a mes deux modos principales. Qui veulent le buter, quoi. Enfin, à un moment, faut dire les mots, quoi. Il est banni de chez Camaradours, hein. Il peut plus aller chez Camaradours, il est banni. Pourquoi il est banni? Parce que il a balancé un lien vers un site pornographique un peu douteux dans la chaîne de Camaradours en disant que c'était incroyable, qu'il fait que tout le monde clique dessus. Il a insulté ma daronne pour revenir sur mon live et ensuite dire que les lives de Camaradours c'était de la merde. Voilà, ça je le mets en troisième. Et il a fait quoi d'autre? Il y a des trucs super crades sur des blagues de cul par rapport, genre sur l'âge de glace et les anus, enfin je sais plus trop quoi. Genre MDR dans le cul de l'âge de glace, genre un truc comme ça. Sans une réponse de pourquoi. Et ça, attention, et ça, en moins de 20 minutes. Et là ce que je vous dis, c'est un live hein. Et Esteban, il a fait plein de trucs comme ça. Par contre, je vous promets un truc, hein. Si on banne Esteban, mais le premier truc qu'on fait, c'est une tier list des conneries d'Esteban. Mais avec grand plaisir, je fais ça. Oh non, là, mais là, tu parlais, je croyais que...
t'avais pas fait un truc grave, mais il t'a insulté ta mère. Ah, mais il a pas fait que ça, mec. Il a pas fait que ça, hein. Mais c'est un malade, ce mec, hein. Mais c'est un gros troll, hein, c'est un troll absolu. Ouais, c'est moi qui est trop con. Je sais que je suis trop con, on pouvait le dire, parce que la vérité, je suis trop con. Et il assume pas. Et le pire, c'est que là, l'histoire là, de ma daronne et du truc porno, il assume pas. Il l'a pas assumé. J'ai dû lui balancer le lien de la VOD, ou qu'on le voit dire, ou qu'on le voit faire, pour qu'il assume enfin. Il faisait genre pas, il faisait, non, je vois pas MDR, je trouve pas. J'ai dû lui balancer le timecode et le mettre en live la VOD pour qu'il l'admette. Genre, il dit, oui, c'est vrai. Il est venu sur la PTB Ring. En sachant que Ring, c'était vraiment la PTB que j'en ai le plus au monde, parce que c'est mon film d'horreur préféré, voire c'est pas mon film préféré. Pour venir me spoil The Walking Dead deux fois. Je dis, les mecs, ne spoilez pas The Walking Dead. Une minute après, The Walking Dead, il se passe ça. Allez! Mec, s'il te plaît, ne spoil pas The Walking Dead, t'es vraiment un gros connard, putain, tu casses vraiment les couilles. Ah, d'accord, donc je te dirai pas qu'il se passe ça. Allez! Et je l'ai pas ban, parce que je suis trop con. Ah, mais c'est que ça, Esteban! Et encore les trucs que j'ai oubliés, hein. Moi, ce qui fait chier, c'est que si un jour on fait la tirelisse des trucs qu'il a fait, hein, j'ai des trucs que j'ai oubliés. Esteban, c'est un gros forceur, à la base, alors sur le Discord, il s'appelait Esteban le forceur, hein. Esteban, il te demandait un truc, et il te le redemandait toutes les minutes, mais pendant une heure des fois, hein. C'était insupportable, il voulait pas se taire, hein. En fait, je retire ce que je dis, je ne ferai pas une tirelisse des connards qui arrêtent, qui viendra la voir sur YouTube, il sera content. Mais gros, sans te mentir, t'es trop niais pour lui pardonner. Non, c'est même pas ça, c'est même pas une connerie d'année. Moi, j'assume complètement, c'est juste que je suis trop con. C'est pour moi, en fait, pour moi, Esteban, c'est pas qu'il est. C'est pas. Alors, pour moi, Esteban, j'ai toujours un doute que ce soit un gros troll. Là, en vrai, là, le doute, il est quasiment disparu. Hein. Pour moi, c'est vraiment un troll. Hein. Mais c'est bon, c'est fait. Hein. J'ai juste une chance comme ça, tu vois, genre, juste pour sublimer le moment où je le ban, mais... Esteban, pour moi... C'est vrai, peut-être, le mec est juste trop con. En fait, je me dis, le mec est tellement con qu'il s'en rend pas compte que c'est un troll. Je me dis que c'est ça, en fait. Et moi, les cons, j'ai tendance à leur pardonner et à leur expliquer leur connerie. J'aime pas laisser les cons dans leur connerie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens, ils regardaient chill ce live-là, ils étaient trop contents, et là, il s'est ramé avec ses conneries, quoi. C'est-à-dire, c'est démarré d'un... C'est quoi Silent Hill? C'est un jeu ou autre? Ça m'a trigger, mais genre gentiment, genre en vrai, franchement, j'avais pas l'engueuler ni rien. Et là, il a commencé à troll en mode MDR, c'est quoi et tout, tu peux répéter. Genre, il fait, tu peux répéter, attends, ça bug. Tu peux répéter, attends, ça bug. Putain, ta gueule, en fait, mec, ta gueule, mec. Tu trolls de ouf, c'est juste gênant, en fait, tellement que c'est obvious. Moi je le signale direct si tu veux. Je sais quoi, là, tu m'aurais demandé il y a une semaine, j'aurais dit non, mais faut pas le signaler, il est gentil Esteban, c'est con. Non, vas-y, c'est quoi, signale-le, je m'en fous. Si, vous savez quoi, signale-le tout, je m'en fous. Moi je vous dis, je vais être une chance. Genre une fois, il m'a appelé au calme par mon prénom, genre comme si on était potes. Déjà, mec, qui te dit que j'ai envie que les gens ils connaissent mon prénom. Non, mais c'est ça le truc des Savannah, le truc pour, parce que tout le monde croit qu'il est sympa. Même moi le premier. Là, j'ai noté des trucs que j'oublie pas. Parce que j'ai noté quelque part, mais je crois qu'il manque des choses, je vais me rappeler plein de choses. Je vais appeler un fichier texte Esteban. Esteban est un troll. Car. Trois petits points. On voit des liens porno sur le stream d'un pote. Sauf Camaro, c'est un pote. Et c'est moi qui ai envoyé Esteban chez lui, genre pour rigoler, en mode comme ça, pour la blague. Il a vraiment fait ça, ce bâtard. Genre, t'imagines, putain, ton pote, super sympa, quoi.
C'est bon bête qu'il a pris le second degré pour du premier degré, peut-être. Mais je lui dis, moi, il a pensé... moi je lui dis, mec, forcément, il est vraiment trop con. Hein. J'ai mis est un gros forceur. Genre, regardez le truc des backrooms là. Combien de fois il nous a cassé les couilles avec ça? Mec, tu regardes la vidéo machin, Non mais c'est un forceur, genre, il veut que je regarde une vidéo sur des backrooms. Bon, comment je m'en bats les couilles, je savais pas c'était quoi, je m'en foutais. Du coup on regarde une vidéo. Du coup on regarde une vidéo pour lui faire plaisir. Allez vas-y, tu me casses les couilles, on va regarder une vidéo. Non mais c'est pas la bonne. Faut regarder celle de failed up. Putain, ta gueule. En fait, ta gueule Esteban. Ferme ta gueule. Ça ne fait le double, 20 minutes, j'en ai rien à foutre en fait des backrooms. Je m'en fous complètement. Voilà, il faut que tu admettes dans ton crâne que des gens s'en foutent de trucs que toi tu aimes. Genre, pardon de l'exemple, mais moi j'adore le film Batman et Robin, mais il y a des gens qui s'en foutent de ce film. C'est pas grave, je vis avec. C'est un très mauvais exemple, c'est pour lui qui est venu par la date. Moi j'adore Pokémon, je suis un grand fan de Pokémon. Dans mon entourage, mais 99% des gens n'aiment pas Pokémon ou s'en foutent de Pokémon. Bah, je vis avec, c'est pas grave. En fait, il veut tout simplement t'obliger à faire un truc comme à l'époque de Pokémon. Ah, tu te souviens un truc de Pokémon Unite? Je me souviens plus. T'en racontes, mec, parce que là, je suis en train de prendre des notes. Ah, Unite, il joue pas à Unite, c'est de la merde. Genre, il a quand même inventé, il a quand même mytho en disant « Mec, t'avais promis que tu regarderais, tu ferais un live sur les backrooms. » J'ai jamais dit ça. Mais jamais dit ça. Beaucoup les niqués, je garde les VOD. Donc, si c'était vrai, on l'aurait retrouvé. Je notais les backrooms. Les backrooms de Feld Up. Je sais pas si c'est écrit comme ça, mais j'ai écrit ça comme ça. Attends, j'avais dit quoi? Attendez, j'ai noté « Envoie des liens porno, dit des obscénités, insulte ma mère. » Dit que les médicaments sont chiants, est un gros forceur, les backrooms de Feld Up. Me spoil The Walking Dead. Volontairement. Deux fois. On faisait des tirs de Pokémon, il y avait des mecs qui venaient te disaient jouer à Pokémon Unite. Ces mecs existent encore, ça, si tu veux savoir. Voilà. Je sais pas si ça te fait plaisir ou pas, mais ces gens existent encore. Sauf que ces gens-là, quand je pars sur Pokémon, ils se cassent de mon live et ne reviennent pas avant le lendemain ou après le lendemain pour m'envoyer des messages sur Discord en mode « Mec, tu fais du Unite ?» pour ne pas venir. Voilà. Autant dire que je joue plus beaucoup à Unite. Hein. Ah, j'ai pas trouvé d'autre chose. En vrai, je me rappellerai de tout, mais ce serait genre... Mais je sais que c'est beaucoup de forcing, en fait. Je note quand même Silent Hill, hein, faut le noter ça aussi. Même si c'est tout frais, faut le noter. Mais là, chaque truc que je note, c'est une raison pour le ban. Hein. Genre, vous vous rendez compte qu'il s'est barré au moment où j'ai dit que j'en avais marre de lui parler? Genre, comme par hasard. C'est genre, mec, tu peux m'expliquer ça? Ah, bah, je lui explique. Ah, ma connexion, machin. Tu peux m'expliquer ça, mais j'ai plus de connexion. Mec, tu peux m'expliquer, j'ai plus de connexion. Et au moment où je lui dis, mec, j'en ai marre, tu me saoules? Fais, ok, bah, je me casse. Comme par hasard, t'as de la connexion pour m'entendre là. Putain, c'est bizarre ça. Oh, bah. Mais donc, j'ai mis un truc. C'est un truc de fou en vrai, hein. Comme par hasard.
En vrai, c'est vrai que le pire, ça reste le Sim Resident Evil 5 avec Amara d'Ours. Hein, où il était vraiment juste horrible, quoi. Où tu vas le ban. Ouais, non, mais t'as vu, c'est fou ça, hein. C'est trop bizarre. Tiens, bon, t'es là, mec, c'est quoi quand en prochain live qui t'intéresserait qu'on fasse? Bizarrement, non, mais mec, je te jure. On est d'accord, mais on est d'accord, il a dit qu'il m'envoyait une image pour me prouver qu'il n'avait pas de connexion. Hein. Alors, je vais vous montrer son image, juste avant je vous tease. C'est l'équivalent de... Non, j'ai tué personne, ok, envoie-moi tes mains en photo et les taches de sang dessus. Alors, excuse-moi Esteban, mais ça, alors je vous jure, c'est l'image qu'il m'a envoyée. Je vous jure, j'invente rien. Soit je screen la page Discord. Excuse-moi Esteban, mais ça, dans mon monde, tu as de la connexion. Tu as 3 barres de 4G. 3 barres de 4G, c'est très bien, avec 2 barres, t'as de la connexion. Ton truc wifi avec un point d'exclamation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça peut dire tout et n'importe quoi, un point d'exclamation. Ça peut aussi dire que t'as... Ça peut aussi dire que là, juste, y a un... Juste qu'il te manque un truc ou autre. Et que tu es connecté, hein, ça veut pas dire que t'es pas connecté. Hein. Quand t'es pas connecté, ça fait une barre ou autre, pour moi, ou un panneau. Mais on va dire que ça, on prend pas en compte. Mais juste le fait que la 4G, moi, je trouve que c'est faux. Donc arrête de dire que t'as pas de connexion. Attends, je vous prends en screen ce qu'ils m'ont envoyé. Il va dire, ah, c'est pas moi qui l'ai mis. Je cache la conversation. Je vais appeler Beat Esteban. En vrai, c'est bizarre en fait. Esteban, je t'appelais Esteban. Il a cassé, mais de ouf, il a vraiment niqué l'ambiance du live quoi. Mais c'est un roi pour ça. Hein. Genre la PTB, je rappelle, Ring, j'étais comme un fou et tout. Ouah, Ring, c'est trop bien. Il a niqué l'ambiance. Je savais pas qu'on pouvait niquer l'ambiance comme ça. C'est le seul gars qui arrive à m'énerver, c'est fou ça. Mais genre, je savais même pas qu'on pouvait niquer l'ambiance comme ça. J'adore ce qui s'appelle vraiment Esteban la merde sur Discord. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, hein. C'est genre quelqu'un du Discord. Genre je me dis, moi j'ai des anecdotes sur Esteban, mais les autres, on doit en avoir tellement aussi. Attendez, je vous laisse les messages pour voir à quel point il troll quoi le mec. Je m'en fous que c'est du privé ou non, hein. Je m'en fous. On va vous dire, j'abuse, mais en vrai, j'abuserai jamais autant que lui. Genre, mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, quoi. Kinchan en fera un concours de bêtises, ça, c'est... Je suis personne avec les mains pleines de sang. Genre, je dis... Je prenais des nouvelles, parce qu'on faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, du coup, je me demandais bah, qu'est-ce qu'il donnait, ce qu'il faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Je prends des nouvelles quoi des gens. Ça m'arrive de prendre des nouvelles des gens qui sont là depuis longtemps sur les lives et qui vont souvent là surtout en fait. Je vais plus maintenant pour les nouveaux, hein, ça peut vous rassurer. Je vais pour l'Uniclou, je le faisais pour Esteban, je le faisais pour des gens comme ça. Parce que Uniclou c'est mon modo. Genre je dis mec arrête d'excuser. Tu viens sur live quand t'as envie de venir. Il me dit désolé quoi. Mais tais-toi, je dis pas être désolé. Genre, il me dit au début désolé, faut pas être désolé, je te demandais juste ça allait. Après, il me dit je m'excuse. Mais je dis pas être désolé, mais tu recommences. Tu sais, c'est un peu fort. Mais en fait, ça m'a un peu énervé ça. Ah, il dit désolé d'être désolé. Vous voyez, ça m'a saoulé, j'ai même pas répondu quoi. Alors souvent, même les gens, quand je réponds pas, j'en mets toujours un petit truc, genre une connerie, même un pouce vers le haut, ou un hibou, ou un cœur, tu vois. Là, j'ai vraiment rien mis quoi. Enfin bref. Moi c'est la fin de ce live, hein. On a fait 2h30 de live, c'est bien en vrai. Je vais vous laisser, je vais aller prendre ma douche, je vais aller peut-être manger un petit truc vite fait. Et je sais pas, je vais faire ma vie. Bon Esteban quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Un concours des bêtises. Non en vrai non, je vais pas faire ça parce que ça glorifierait en fait sa connerie et du coup c'est ce qu'ils veulent. En fait les trolls c'est ce qu'ils veulent et je vais pas qu'il ait ça. Tu vois le mec en quelque sorte il a gagné là. En quelque sorte il a gagné juste là. Que j'ai pris juste 20 minutes en période lui. Voilà. Bref, je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures et la bise.
Et désolé pour cette fin de live de merde.